Espoir. On veut y croire. Bonjour à toutes et toutes. Décidément, c'est le dimanche matin qui veut pas. Entre les USB qui me lâchent sur mon PC parce que mon vieux coucou, je sollicite trop, et OBS qui crache en refusant de mettre à jour les valeurs du dimanche matin, la date, le titre, tout le bazar, il me met tout en rouge en me disant rien n'a été accepté de vos modifications. Impossible d'avoir un direct convenable. C'est une honte. Bon, bref. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc je recommence mon intro que j'ai supprimé d'ailleurs. Enfin, pas exactement supprimé, j'ai dépublié dans ma coulisse de chaîne Twitch. Parce que ça faisait naze. Comme mon truc n'était pas au point. Bref, je disais que je démarre très tardivement, en plus des soucis techniques ce matin, je démarre très tardivement ma journée de jeu. Au lieu de démarrer 9h, vous voyez, 10h30 passées. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement heureux dans les personnes que je suis sur Twitch. Cynthia, dont je vous fais la pub, voilà, alias Istri38, a un événement de vie fort heureux. Elle a emménagé dans son nouveau chez elle avec son homme. C'est une maison qu'elle est en train d'investir et de se personnaliser. Donc j'ai bavardé un peu avec elle et sa commu. Et du coup, bah, le temps de bavarder. Bonjour Dragon de Lorraine, j'espère que tu vas bien. Le temps de bavarder avec elle et puis moi d'essayer de résoudre mes soucis de coulisses en y allant en pépère. Voilà, il est déjà 10h30 et je démarre à peine mon direct. La PS3 qui tombe dans le vide depuis je sais pas combien de minutes. Bonjour, la facture d'électricité pour rien, j'ai envie de vous dire. Bon, voilà, ça y est, on y croit, on se lance. Merci à vous d'être là, surtout, voilà, Dragon de Lorraine. J'espère que tu vas bien. Oui, chargement terminé, je ne sais plus. Je suis perdu. Ah oui, le résumé de l'aventure. Tu es dégoûté, t'as foiré un montage CapCut. Ah merde! Ah bah, décidément, je suis pas le seul à avoir des soucis techniques, moi. Eh bien. Oh, bah je suis navré pour toi, Dragon de Lorraine. La manière dont tu me le dis, c'est que t'as perdu des données. Ouais, 15 gigas dans le vent. Oh putain, Zabi, ça fait mal. Oh. Oh, quand la technique te trahit, c'est l'horreur. Oh là 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 là. Alors, pour en revenir à mon histoire de. J'ai 11 fragments sur 13, il m'en manque 2. Je sais qu'il faut que je fasse les pics infâmes. Il faut que je m'acharne là. J'avais regardé ce que je pouvais faire si j'étais obligé d'aller dans la bataille finale avant de faire les scénarios alternatifs. Et non, les pics infâmes, normalement, je peux les faire maintenant. Bonjour, Edge, j'espère que tu vas bien. Coucou, coucou. Alors, Dragon, tu me dis, t'inquiète, t'inquiète pas, j'ai fait une sauvegarde de mon dernier direct. Ah ouais, au moins. Bon bah ça va, c'est juste que tu perds du temps. Si tu as. Voilà, c'est moins dommageable. C'est. Heureusement que t'as. Ouf. Oui, je vais bien, merci, j'espère que tu vas bien aussi, Edge. Là vraiment, aujourd'hui, je suis en pleine forme. Alors, j'ai pas super bien dormi parce que j'ai. Il y avait du vent chez moi, j'ai encore les volets qui ont claqué. C'était pénible. Mais je crois que je suis réveillé 2-3 fois. J'ai surtout beaucoup de mal à m'endormir. Et hors antenne d'ailleurs hier soir, quand je vous ai quitté après les bébés, je mourais de faim, j'ai mangé comme un ogre. Du coup ça m'a un peu pesé sur l'estomac et ça m'a pas aidé à m'endormir. Ajouté à cela que j'ai eu un agacement certain. Je me suis enregistré un épisode pour directement en vidéo à la demande sur YouTube, ma chaîne. J'ai joué dans mon coin, je me faisais les. Je suis en train de découvrir en ce moment la saga des Sherlock Holmes, en jeu d'enquête. Excellent, vraiment excellent. Si le premier que je suis en train de découvrir, là, que je suis mettant à la fin, Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, si les autres opus sont de la même qualité, je vais adorer. Et je comprends pourquoi ma frangine était enthousiaste, parce que je lui avais offert à l'époque un coffret spécial. Coucou. Moi j'ai eu la chance, vous connaissez l'époque, mon astuce, d'acheter pour une bouchée de pain en grosse réduction, 80 et moins 90%,
les jeux au rabais. Et c'est comme ça que moi que j'ai eu la collection récemment. Bonjour cousin, merci du putain bon direct. Oui, j'ai envie de dire enfin, après les galères techniques de ce matin. Merci, j'espère que tu vas bien cousin. Coucou Twinsen, toi aussi, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. C'est cool, merci. Bref, tout ça pour dire que j'ai ragé. J'ai ragé hier soir parce que à un moment du jeu, il faut faire une démonstration quand on incarne le docteur Watson. Il faut faire un plan sur carte. Il faut définir le périmètre d'action sur une carte de Londres du criminel. Bon, évidemment, périmètre supposé, parce que c'est partie des déductions de Sherlock Holmes dans la progression de l'histoire. 3 heures pour réussir à placer le bon cercle. J'ai cherché sur 3 sites de Solus comment bien placer le cercle. 3 heures, et c'est sur un acharnement à la fin où je faisais nigo en balançant des traits au hasard par frustration que j'ai déclenché le script de réussite. Et que j'ai eu enfin la réplique de Sherlock Holmes pour passer à la suite. Résultat, je me suis couché, il était minuit passé. Ah, ça m'a bouffé. 3 heures pour dessiner un cercle. Mais l'algorithme de détection du cercle à tracer qui était pas... qui est mal foutu, en fait. Enfin, bon, bref... Oui, un autre Lorrain. Ah! Tiens, je me souviens plus. Oh! Alors, non seulement je me souviens plus qu'il y avait un ennemi là, mais en plus un chocobo. Eh bien. Voili, voili, vous savez tout. Ah bah, il est mort. Voilà. Et dans la technique, au niveau des USB, là, des ports USB, je tire trop sur mon vieux coucou. J'ai remarqué que j'en ai deux maintenant qui sont désactivés. Quand les autres sont branchés, c'est que je tire trop sur la corde, comme on dit. J'ai failli ne pas avoir la webcam encore aujourd'hui. Et puis j'ai dit merde. Vous pouvez pas me voir en train de faire mon mariole. Et puis j'aime bien de temps en temps vous faire la causette en plein écran. Bref, le temps de prendre mes dispositions, de revoir mes branchements, oh là là. Évidemment, je pensais bien que l'horloge allait tourner. Mais bon, me voilà enfin. Donc ce dimanche matin. J'ai un point d'exclamation là-bas. Je m'en souvenais plus. Attends, il y a quoi derrière? Ouais, il y a le mec. Oh non, je suis bloqué à la quête là. What's going on? Who are you? Ouais, c'est la preuve qui me manque. Bonjour Christella, merci, bon dimanche à toi aussi. Non, le para... Alors... Souvenez-vous que je dois souvent chercher des objets translucides. Pardon, mais la neige qui tombe, le blizzard, ne m'arrange absolument pas la tâche. Il faut avoir le coup d'œil au pixel près, et là, mon cerveau est déjà en train de devenir fou. On va voir s'il n'y a pas un truc de planqué dans le décor. Bon, normalement, il y a Mok qui doit s'exciter à proximité et faire son cupo-cupo, là. Mmh.
Bonjour Hirostar. Eh bien, merci à vous d'être là. Oui, pareil, Christella et Hirostar, j'espère que vous allez tous bien. Ah, c'est dimanche matin. Oh merde, qu'est-ce que... Oula. Ouais, ça va bien. Oui, moi, ça va fort bien, merci. Ouais, je sais que j'ai passé un bon dimanche, là. Je suis vraiment très bien. Aucun souci de mon côté. Ah, Christella, t'as un bisou de la puce à... de la grande à cousin. Mignon. Eh oui, bonjour à Roman. Bébé. Oula. Ah mais alors ça, il faut que je résolve ce paradoxe peut-être. J'ai envie de dire, il faut que je résolve ce trou noir. Cette défaillance spatio-temporelle. La question est comment je fais. Attends, c'est peut-être pas Mog qui va m'aider, c'est peut-être moi. Attends, j'ai peut-être des options de... Non, il fera rien. Ah, je... Si. Attends, j'ai pu voir quelque chose quand il a fait son action. Ah. Ça a stoppé momentanément le... Non, je sais plus ce que je peux faire. Ouais, il y a la carte qui me parle. Oh, ah tiens, appuyer sur la gâchette, enfin la gâchette, la molette, le joystick, ça permet de recentrer la caméra. Clique, voilà. C'est pas mal. Attends, voir. Ouais. Est-ce que je peux pas apparaître là? Bien tenté, mais ça suffit pas. J'ai relancé mon montage vidéo suite à la coupure de réseau internet qui s'est déclenché hier soir en plein direct. Ouais, bah bon courage dans ton montage vidéo, quoi, voilà, que tu puisses récupérer les données. Espoir. T'arrives à faire ton montage et archiver ton direct. Attendez voir. Ouais, mais je peux pas en faire une en usage là. Attends, le maillet, à quoi ça sert le maillet? J'en ai 10. Guéri un allié de l'altération, oublie. Relève les alliés KO, restaure les PV. Nanana. Ouais, la super potion. Nanana, sujet, un allié. Ouais, c'est presque une corne de licorne qu'il me faudrait. Alors, je vais pas me faire suer dans le sens où je suis proche de la. De la fin de l'histoire, j'ai mon onglet avec des... Avec la soluce à portée de main du jeu. Attendez voir... Je suis dans... Merde, c'est où je suis. Bougez pas. La carte dit que je suis à... Merde. Les pics infâmes en 10 AC. Pics infâmes en 10 AC.
réplique infâme. Il vous explique qu'il est bloqué dans un paradoxe et il faut vaincre l'ombre noire pour l'atteindre. Vous obtenez fragments à l'eau de Ray à la fin de la discussion. Après avoir parlé à la radio, l'objectif, une fois sur place, mettez en place une stratégie pour quoi? Hein? Odin Crépuscule. Mais Odin, c'était le. La bestiole, là, le. Qu'on appelle ça le. Le falci qui était à l'intérieur de Lightning. C'était. C'est bizarre ça. Ah, il faut surtout pas électrocuter Odin parce qu'il s'en sert comme énergie à se recharger. Il se soigne avec l'électricité, d'accord. Faut pas foudroyer Odin. Déjà, j'ai appris un truc dans la Solus. Attends, une fois avoir parlé à Ray, dirigez-vous vers l'objectif au nord de la zone. Une fois sur place, mettez en place des stratégies. Bah, comme si je pouvais déclencher naturellement le combat, mais non. Je suis désolé, j'y parviens pas. La Solus dit que tout naturellement, je devrais le confronter, mais... Oui, je suis riche en... J'ai quasiment les stats à 99 partout. C'est effrayant, mais j'ai tellement tourné en rond, tu vois, dans le jeu, que je suis au taquet. Donc, j'ai quasiment pu me poser la question si je peux vaincre quelqu'un. Je suis au plafond de ce que propose le jeu en... On pourrait croire que j'ai fait usage de code de triche, mais pas du tout. Je vous prends en témoin avec tous les directs que je vous ai fait sur Final Fantasy. Au moins, j'ai un bénéfice d'avoir persévéré dans le jeu. Attends, la Solus me dit que j'aurais confronté Odin en ténébreux, là. Mais non, comment je déclenche le combat, moi? Attends. Après avoir parlé à Ray, aller au nord... Oui, c'est le mec... qui était en point d'exclamation. J'espère que j'ai pas une partie buggée, moi. Alors je leur demande à Mug de faire son truc, mais ou alors faut lui sauter dessus quand Mug a... Attends, on recommence. Je crois qu'il m'a dit la même chose. Ouais, non, ça change rien. Comment je provoque le duel contre Odin? J'essaie de réfléchir. Je peux pas interagir avec les objets. Non, faut pas se baser sur un privilège. Comment c'est possible? Eh, j'ai 88 heures de jeu cumulé. 88, vous voyez le compteur en bas? Ça fait peur. J'ai arrivé à 100 heures, moi, avec cet opus. Largement. Objet... Je comprends pas. Comment je provoque Odin? Non, si je retourne revoir le moustique. Oui, non, là, je vais snobber l'ennemi parce que. Écoute. Hop là. Yow. Je vais reprovoquer le dialogue. Oui, c'est Ray, et au nord.
I'm gonna need some proof in order to trust you guys. I guess that's that. I should look for the others instead. Attends, si j'ai parlé à ces hommes. Alors, faut que j'aille revoir l'autre pour. Mais non, mais je l'avais déjà fait ça, non? Mais j'ai pas accès à une autre époque de. J'ai pas une autre date pour les pics infâmes. Retourner dans les steppes pour résoudre une énigme. Ah merci dragon. D'accord. Ouais ouais, il doit me manquer une voilà un portail vers vers ici mais à une autre époque en fait. C'est pour ça que je suis coincé et que je tourne en rond. Merci dragon de m'aider. Parce que même avec la solution pif, tu vois, je comprends pas alors. D'accord, dans les steppes. Oui, je snob un peu les ennemis là, pardon, je suis mon vilain mais. Dans les steppes. Ouais, résoudre une énigme. Déjà que je suis content, j'ai pas tâté le boss. Là pour le coup je vais être enthousiaste à l'idée de retourner dans les steppes. Comme l'autre je lui avais mis sa tannée. Allons-y. Ouais. J'espère que ce matin je vais résoudre cette zone là parce que. Qu'on avance aussi bien que la dernière fois, il y a 3 semaines. C'était un festival il y a 3 semaines, c'était. Oh, c'était trop bien. Oui. Oui, il faut le portail bloqué en fait, il est sous une magie spéciale où il faut un artefact spécial pour le déverrouiller. Et j'avais pas ce qu'il fallait pour le déverrouiller. Alors, je sais plus si j'avais refait une tentative après avoir patati le gros mastodonte. On va voir, je lui demande sur place. Ouais, ça c'était mon conseil. Ah. Ou alors faut jouer avec la météo, parce que sur place ici, il y a une machine à changer la météo. Qui change les monstres, les conditions. Et tout le bazar. Et tout le bazar. Allez, si je fais cette bataille là. Envie de patater du. Envie de patater du gobelin. Non, il est sur une maxition pour résoudre l'énigme. Ah, alors je vais résoudre l'énigme. J'avais essayé, si vous jugez bailli, d'allumer mon cerveau en direct et de résoudre l'énigme. Bien. Qu'est-ce qu'il a à me dire, lui? Ah non, c'est pour. Oui, le chevaucher. Oui, non, non, je pars plus des batailles. Ah, une énigme. Alors, je vais reprovoquer le dialogue face à l'échec de l'autre portail. Qui c'est qui m'attaque? Oh. Pourquoi ils sont super sombres? J'ai quasiment des ennemis non texturés. Ah non, ils sont vraiment noir carbone, les rustiques. Là. Voilà, décharge électrique, les rouillés. Ça va les faire bobeille. voilà, direction la casse des robots. Je les ai démolis. Je les ai remis en pièces détachées. Ouais, elle est belle l'épée de Noël. It's been sealed in such a way that an artifact won't open it. We have to find out where and how to break the lock, Koopo. Trouver le sceau
Alors l'énigme réside à l'énigme à résoudre de trouver le seau. Alors à quoi ressemble le portail? Attends, est-ce que Mog peut pas m'aider déjà à... Non, il est pas assez fort, Mog. C'est pourquoi... On dirait une espèce de truc en fer forgé. Espèce de cocon stylé, là. Attends, je regarde, je tourne autour. J'aime bien quand tu dis... Pampa. Ah oui, tu m'en as trop dit, là, les hommes cactus. Oui, j'aime bien quand tu dis 11h, c'est l'heure de l'apéro. Bah, bon apéro pour ceux qui le prennent. Mais... Tu vois, ce genre de réflexion, je l'aurais attendu de Nashevman. Bon vivant qu'il est. Mais oui, pour ceux qui veulent prendre l'apéro des 11h. Faites-vous plaisir en consommant raisonnablement. Alors là, j'ai le cactus pampa. Ah ! Qui c'est que je m'angoissais, monsieur Gobelin ? Gobelin, Gobelin. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire penser avec leur boulet aux mains aux kamikazes là, des décapités dans Serious Sam? Allez, sauvez-vous, yo. Faut pas que je suis agent du Pokémon. Ah bah voilà. Pampa! Le camp des chasseurs. Ouais. On va voir. Ou alors, c'est que j'ai pas trouvé la borne de cactus pampa qui déverrouille le seau. C'est possible aussi. D'ailleurs, peut-être pour mieux voir, ça vous semblait peut-être saugrenu, mais je vais peut-être demander à avoir la pluie sur place. Parce que là, j'ai presque trop de lumière. Ah, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Je verrai peut-être mieux. Je verrai peut-être mieux sous ce temps-là. Attends, est-ce que j'arrive à faire un grand saut? Oh, c'est stylé! Au camp des chasseurs. Et je reviens bêtement là où j'étais? Vraiment. D'accord. Pampa, pampa, le cactus. Alors ne m'en dites pas plus, hein. Merci dragon. Il va falloir que je cogite sur l'énorme indice. Là c'est limite si tu m'as pas donné la solution. Faut que je m'acharne avec le cactus pampa. J'ai les bastons dans les steppes. Je vais les mettre en pièce. Ouch. Oula. C'est lâche. Oh. Il y en a des choses. Je vois des choses. Je vois des choses. Alors, là, je suis à peu près peinard. Observons. Est-ce que sur ma carte est indiqué des cactus pampa? Eh, mais oui. Oui, par des... Ah, attends. Il y a celui-là à faire. Donc, on est d'accord, j'ai fait les deux cactus pampa, là. Là, 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 là. Il y en a deux là-bas, des cactus. Est-ce que j'aurais pas zappé un cactus? Bah non, j'ai la carte à 100%. En quoi consiste l'énigme? Il faut que je me focalise sur les cactus pampa.
Aïe. Ah, qui c'est qui ose m'agresser? Gros vilain. C'est quoi ce gros machin? Oh, c'est un énorme damné falsis. Barrière d'inertie. Ouais, bah, je vais te la faire bouffer ta barrière d'inertie. Oh mon dieu, ça me rappelle un ennemi dans le premier opus. Vers la fin. Avant de partir à la rencontre du dur de l'anus, là, qui m'a été sorti par les trous de nez. Dindales. Attends voir. Je l'ai analysé, ce trou de nuf. Mais non, je l'ai pas analysé. D'où ça en vient ? Oh merde, j'ai plus d'analyseur. Oh non, j'ai plus d'analyseur. Oh, fais l'œuf et la poule. Ah. Oh, lui, il va me poser problème. Lui, il va me briser les... Hein ? Bon. Il va pas me briser les sauts, mais il va me les briser quand même. D'où qui sort ce moustique? Attention, faut pas que je néglige cet ennemi là. Et je me traite avec une certaine forme de respect. Voilà, il m'a fait très mal le salopard. À tel point qu'il faut que je me soigne. Allez, le chocobo! Montre que tu es en colère! Oui. Auto-soutien à toi-même, Sera. Comme on dit, médecin, soigne que toi-même. Ah, mince, je suis en train de perdre ma barre de combo là. Faut que je l'épuise, faut que je le. Voilà. Ah bah tiens, je peux refaire un couac. Allez, tac, 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 oh, c'est bon, bisous, les filles. Allez, dingue, 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 dingue. Voilà, terminé. Cristal de magie. Magie, magie, doudi 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 doudi. Oui, alors attends. Non. Son état n'a pas changé, hein. C'est pas la météo qui change son état. On est d'accord. Oh, les joues se plantent. Et je vois en plus on voit la belle chevelure de la demoiselle. Joli bonbon. Bon, j'ai un peu abrégé les dialogues parce que c'est pas comme si on l'avait entendu 50 fois. Alors l'autre borne en cactus. Oh bordeloum. Mais c'est quoi les monstres délirants qui apparaissent devant moi là? J'ai provoqué des demi-dieux là ou quoi? Mais c'est quoi cette horreur? J'enchaîne les monstres que je connais pas. Lui, il y a les puissances meurtrières. Je vois que je dérange beaucoup sur place là, en traînant autour du portail scellé. Ouais. J'ai l'impression de provoquer la colère des dieux. Trop bizarre ce qui se produit. Bon, il est bien dessiné. Hein. D'un point de vue artistique, il est beau le monstre. Mais qu'est-ce que c'est que ce trou de ouf? Ouais, je vais me mettre en défaillance. Gros malus pour lui. Enfin, si j'arrive à lui... Oui, si, il a le malus, il a le malus. Il a la petite case rouge dans sa barre de vie. Ouh la vache, il a pas fait du bien, ce salopard. Allez, un petit sourire pour le style. C'est rigolo. Ouf. Salopard, il a pris toute sa vie. Alors, j'ai mis de la fragilité. Ouf. Allez, il a une patch-up.
Ça fait bizarre de voir un gros loustic comme lui partir en lévitation. Galas. J'ai mis de la vulnérabilité. Oh ben il l'a eu là. Attention, j'ai Serra qui va flancher. Attends, je vais mettre Renaissance parce qu'elle va être dans le mal la pauvre. Oui, recharge-toi vite. Ouais. On y retourne. Ah merde. Ouais, il a réussi à effacer les malus que je lui ai infligés, salopard. Hey, comment qu'il fait pour régénérer sa vie, salope? Hey, c'est un gros vilain, lui. Gros vilain. Il va me causer encore plus de soucis que le post-it précédent. Je suis pas content. D'ailleurs, je vais même tricher avec de la potion. Non, pas tricher. Joker. Alors, je lui refous un malus, si j'y parviens. Bon, je crois que j'ai mis le même. C'est pas forcément une bonne idée. Et on l'a eu. Hey, gros vilain. Cristal de force après le cristal de magie. Papa, palapa, palapa. Donc, Merdoum. Allez, dis-moi que c'est encore un loustic, voilà, qu'est-ce que... Non mais c'est la fête ce matin. Je dois déclencher tous les spécimens rares. Ah ouais, non mais là le jeu... Extraordinaire. C'est presque dommage que Galip soit pas là. Galip que j'embrasse. Enfin, elle doit faire de dos, à mon avis, elle s'est décalée parce que... À faire de nuit des jeux de... des jeux d'horreur. Elle a fait récemment en direct de minuit à 9h du matin. Elle doit être grave décalée, Galip. Qui, je rappelle, une spécialiste des jeux de rôle japonais, les JRPG. Ouais, allons voir le marais cristallin. Ah oui, partant d'orage, des monts surpuissants apparaissent. Ah bah voilà. Bah c'est pas plus mal, je complète mon bestiaire. Comme ça, ça va faire la joie du docteur Trounouf, là, qui est en ville près de Hope. Le docteur Pokémon, là... je finirais bien par avoir la collection complète et gagner son respect. Quand j'aurai tout le bestiaire de Final Fantasy. Là, 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 là. Puis ça continue de me faire monter de niveau si je peux encore monter de niveau. Je vais avoir 99 parties d'expérience, ça va être magnifique. C'est pas un mal. C'est pas un mal. Allez, je blâme. Bon, ça défoule. Ça change les idées. Ouais, bravo le chocobo. On y a volé dans la poube. Générateur universel en 2 exemplaires. Et oui, les ennemis étaient 2. Tiens, d'ailleurs, en parlant de niveau max. Oui, Serra. Alors, qu'est-ce qu'elle a pas à 99? Le saboteur, elle est pas à 99. On va y aller. All day, moi. Voilà. Je suis au taquet. Ça y est, c'est bon, j'ai 99 partout. Je ne peux plus évoluer Serra, elle est transcendée là. Là, je vais sortir du menu, elle va faire comme dans Dragon Ball, elle va... Pff,
Elle va avoir une perruque à la Bill Collins, les cheveux éclatés en fleurs, en jaune or. Avec une aura d'énergie, elle va même creuser sous ses pieds en restant sur place. Allez, pareil pour Noël. 99 partout. Ouais! Ils sont tous à fond. Voilà, sommet de l'art. Ah bah oui, je pense bien que c'est un trophée de faire un truc complètement craqué. D'avoir les deux protagonistes qui sont à fond dans les stats. Allez, Zou, trophée du jour, ça fait plaisir. Chocobo en or, je crois aussi qu'il est au taquet, lui. Voilà, évolution maximale. Oi, 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 oi. Trop puissant, qu'est-ce qui devient trop puissant? Non, allez, sérieusement, je mise sur les chocobos parce que... Tiens, j'en ai trois. Ah oui, faut que j'en garde pour les courses aussi. Pour faire le délire des courses de chocobos. Les chocobos de couleur en mode Super Saiyan comme dans DBZ. Ah ouais, non, mais oui. Non, mais j'y crois. Ah, chocobo vert. Alors attends, on retient que j'ai un vert. Il m'en manque peut-être un de chocobo spécial. Ah, j'en ai un deuxième vert. Attention, j'en ai deux verts. Ah, j'ai mon troisième vert qui est à niveau 60. Attends. Ah, j'en ai trois verts et plusieurs classiques. Il me manque l'argenté et le mauve, je crois. Ah, intéressant. Ah, lui par contre, j'ai pas de catalyseur. Ah, c'est ballot. Il faut que j'achète des catalyseurs. Alors, si les héros sont au taquet, les Pokémon, eux, ne le sont pas encore. Mais je suis tranquille. Hein. À partir de maintenant, niveau combat, je devrais me promener. Ce qui est pas désagréable. Donc, réfléchissons. L'énigme, Pampa, Cactus. Pampa Cactus. Il y a lui. Et il y a lui là-bas. Il n'y en a pas d'autre à l'horizon, non? Il y a celui-là qui est loin. Lui, il propose quoi? Camp des chasseurs. Ouais, lui aussi, c'est des téléportations. Merde. Qui c'est qui vient d'enquiquiner? Quoi, sachant que les Pokémon, on peut la faire, la fusion dans le... Ouais, ici, ouais. Oh, vache. Ah non, mais je... Voilà, c'est rare qu'il balance des ogives nucléaires, maintenant. Au minimum. Oh, ces explosions. Émeraude de soigneur. C'est un concept. Alors l'autre truc qui est là-bas. J'aime bien son saut élégant. Cactus Pampa. Qu'est-ce que je peux faire avec les Cactus Pampa? Je peux en invoquer un en Pokémon en cas de bataille. Est-ce qu'il faudrait que je fasse une bataille à proximité du portail scellé avec le Pampa en Pokémon? La disposition des bornes, géographiquement parlant sur la carte, ça donne un symbole ou pas? Là j'ai deux pampas, là j'en ai trois là. Pourquoi j'ai un truc hors carte? Ah, il fallait peut-être lancer Mog dans le décor pour récupérer un truc. Je sais pas si je l'ai fait. Non, dragon. Non, s'il te plaît. Laisse-moi cogiter. Parce que tu m'as vraiment donné, je pense, le mot-clé de l'énigme en disant Pampa.
Non, laisse-moi cogiter. Attends. Faut pas tout me donner en soluce. Je peux le faire, on y croit. Et merci à toi, dragon. Je devine que t'es impatient que j'avance, mais... Attends, laisse-moi cogiter par moi-même. J'ai 5 bornes de Pampa. 2 en bas, là, et 3 en haut. Je pense pas qu'il y ait... À moins qu'il faut que je me tienne au milieu. Bon, c'est Taras bicoté mon raisonnement, mais... C'est quand même bizarre le rocher en forme de cactus Pampa qui était proche du portail. Je pense que je vais chercher trop loin dans mon raisonnement. Ça doit être quelque chose avec le rocher en pierre Pampa qu'il y a un truc à faire. Merde, j'ai mis quoi comme stratégie? Je sais même pas. C'est pas grave, c'est le chocobo qui va l'achever. Ah merde, il en reste un autre. Oh, attention, je suis dans le mal niveau d'énergie, il faut que je sauvegarde. Ah bah voilà, vous voyez, j'étais mal noté du coup avec mes âneries. Attendez voir. Ouais, je vais me re-téléporter chez les... Merde, pardon. Attends, on est d'accord que... Si je demande à Mog de faire sa magie sur un truc, il se passe rien. Non, il se passe rien. La statue Pampa était trop bizarre. You did it. The storm is gone. I don't know. Là, on la voit d'ici d'ailleurs. On la voit d'ici. Je vais à nouveau me rendre au pied de la statue Cactus Pampa là. Oh. Encore un ennemi super au balèze. Oui, celui-là il est identifié maintenant. Oui, c'est le casse-bonbon de service, là, celui qui dure 3 ans. Et on va le mettre en fragile. Oh non, j'ai pas réussi à appliquer mon malus. Oui, il a fait trébucher la poussière. Alors, j'arrive à lui imposer mon malus ou pas? Bah alors? Oh l'outé, il me résiste. Le salopard. Ah non. Ah, il arrive à parer les sorts. Oh le brigand. Ouais, je vais donner un bonus à Noël aussi. Non, le fait de lui jeter une malédiction, ça marche pas quand il a sa barrière. Ah, il est pas loin de son point de rupture au niveau de la dégâts là, du combo là. L'état de choc, voilà, chercher une manche. La vache, faut l'avoir à l'usure. Let's do this.
j'arrive plus à tenir là. Voilà. Encore un cristal de magie. Il faudrait que je refasse le point dans mon inventaire. Tous les artefacts bizarres et étranges que j'ai collectionnés. Il y en a peut-être un qui est la clé en lien avec le cactus pampa. Générateur de vitalité. C'est ça, c'est pour les camps de chasseurs. Cette étrange sculpture. Une énigme de main. Alors j'ai rien d'apparent. Non, il y a l'aura noire qui se dégage. Attendez voir, inventaire. Pardon. Cristallin, snow, coupon, papier. Quoi? Coupon, papier toilette? Non mais vous êtes sérieux? 10 ans de papier hygiénique. Non! En plus, le jeu cause me dire tu peux aller te torcher. Mais non. Là il me manque un truc, le noir, carte d'accès, copier. Voilà des sauts. Ah bah j'en ai une tripotée des sauts. Éternité, alors moi je suis dans les steppes. Ah voilà, le saut calme. Le saut calme correspondrait à là où je suis. Ouais, tu parles classé, mais j'en fais rien. Ferme le portail, espace-temps. Non, pas les accessoires. Bah, matériaux, c'est pour les Pokémon, les faire évoluer, non? Ouais, ça, c'est ma collectionnite, mon bestiaire de monstres. Ah non, c'est les cristalliseurs, je sais plus. Oh la vache. Ouais, les ornements, j'en ai pas mal non plus. Si je dis que je veux du pampa partout. Pampa, il était pas loin. Voilà, Pampa Jumbo. Je peux pas l'appeler plusieurs fois, non? Je sais pas. On va essayer avec le premier rôle. Je peux pas faire évoluer le Pampa? Il est au max ou... Ah non, je sais pas ce qu'il faut. Des catalyseurs. Ouais. Bon, il faudra que j'achète des catalyseurs. Ah, ouais.
Le pic des défunts. Attends, si je retourne au pied du machin, j'ai pas. Ah merde. Oh, puis c'est un gros loustic. Alors attends, les infos que j'ai le concernant. Ouais, c'est un gros loustic. Ouais. Ah, j'ai pas tout découvert le concernant. Le pays est mort, dadadadadidoudadou. Ah, c'est n'importe quoi. Merde. Oui, tiens, allez, vas-y. Je me fourvoie dans les stratégies, je suis un peu n'importe quoi. Fais pas plaisir, t'as raison. Yep. Le pilonnage de rien du tout, mais. Il m'a zigouillé mon Pampa Jumbo, c'est scandaleux. Et on faudrait que je lui jette une autre malédiction, visiblement. Attends, est-ce que j'arrive à lui mettre l'autre manus? Oui, j'ai réussi. Bien! Bien, j'arrive à lui cumuler les malédictions. Un petit soin en attendant, c'est rare. Hein. Un petit soin à Noël. Ouais, c'est mou tout ça. T'as une petite potion qui nous fait 50 000. Allez-y, la suite. Merde, on a pas besoin de recharger l'attaque. Ah, il a réussi à se libérer de malédiction. Et à refaire le plein de vie, c'est dégueulasse. Il est chiant cet ennemi, il est chiant. Oui, c'est ça, faut pas tâter ensemble. Eh ben dis donc, il est bien chiant, oui. Oh, c'est dégueulasse. Le jeu m'a rien donné. Le jeu qui me fait un doigt d'honneur, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Il y a l'autre plastique qui tournoie là au loin. Bon, c'est toujours la même scénette sous l'orage. Le seau est le moyen de le briser. Trouver le seau est le moyen de le briser. Pampa, cactus. Mais hors bataille, je peux pas provoquer le pompa faire le mariole. C'est ça qui va pas. Et je peux pas attaquer spontanément par exemple la colonne de pierre. Je peux pas la briser, je pense pas. Attends, c'est quoi les touches? Ah, lancer Mog dans la tronche du truc. Oh, le pauvre, il aura une bosse. Oui, bien sûr.
Sur mes rediffs Twitch, sur YouTube, j'ai l'archivage jusqu'au 1er septembre 2024. Ah, ok. J'adore comment qui j'ai mis. Ah, le pauvre, je le maltraite. Le cactus. Merde, c'est quoi l'astuce? C'est quoi l'astuce? C'est quoi l'astuce? Ah, ils sont deux. Ah, il y en a un autre. D'accord. Donc en fait, ils étaient trois. Oh merde, où? Attends, oui, non, non, les non, les lignes, les derrière, pas de lien. Comment je peux interagir? Là, il va me dire retourner au camp des chasseurs, c'est pas ça. Comment je peux interagir avec la statue du pompe à pierre et le portail? Mog visiblement ne peut pas m'aider. Je peux pas déployer mon Pokémon de cactus Pampa en dehors des batailles. Ah d'accord, d'après toi il faut que je joue avec les météos. D'accord. Ok, 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 merci de m'avoir donné un autre indice parce que je gambergeais trop là. Sans concret. D'accord, d'accord. Oui, c'est vrai que normalement il y a 4 possibilités, 4 combinaisons avec les deux. C'est vrai, c'est vrai. Essayons une autre météo. Oula, tempête de sable quoi. You did it. The storm is gone. I don't know how to thank you two. Ouais, ouais, je vais m'acharner à changer la météo à chaque fois. La Kodak. Les moutes-moutes. Il n'y a pas de baie. Non, non, non. Ah, qui ose me défier? Chez Gobelin en chef. La 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 la. Et j'ai gagné des orbes. Et à chaque fois sorti d'une bataille, je suis à chaque fois désorienté. Et j'en perds la boussole. C'est beau quand c'est déployé les trucs météo, c'est magnifique. J'aime bien le côté artistique du dispositif. Oh, Chocobo qu'on va aller plumer là. Enfin, déplumer, pardon. Done and done.
Il est tellement énorme ce cactus pampa qui fait des. Qui fait, comment dire, on va dire bugger, enfin déglinguer la caméra. C'est. Blablabla. Bon, le dialogue est toujours le même sous cette météo, mais peut-être que quelque chose a changé. Non, là il s'est rien passé. Oh, oh tiens, ça fait longtemps. Oui. Ne dis pas que le jeu me dit que je les ai pas identifiés. Oui, je les connais. Rassure. Ça sert à rien, le portail est bloqué, ça répète le dialogue, peu importe la météo. Ok, merci. Au moins je m'acharnerai pas à déclencher à chaque fois le dialogue pour essayer de différence. Merci Dragon. Interagir avec les cactus? Non, non. Alors ici, il n'y a rien d'apparent. Je pense que c'est pas la bonne météo. On va retourner au camp des chasseurs. Oh merde. Voilà, voilà. Retourner au camp des chasseurs et encore faire une autre combinaison de météo comme il y en a 4. On a déjà testé 2 là. 2 sur 4. Je suis en train de me dire, je vois qu'on approche vers les midi, puis je commence à avoir une pensée pour la pause déjeuner. Et je suis en train de me dire, je n'ai aucune, mais vraiment aucune idée de ce que je vais mettre sous la dent. Il va falloir que je m'improvise un plat, moi, tout à l'heure. Alors, j'ai vu... Tu as les faits... Quoi? Ah, tu les as faits, je pense que tu voulais dire. Les pampas rouges, or, pour le moment. Alors, j'ai vu que tu les as faits, les pampas rouges, or, pour le moment. Oh non, il fait autodestruction, les chiens. Là, il y a l'autre qui fait pareil, autodestruction. Comme ça, il n'a pas eu le temps de péter. Les pampas rouges et or. Ah, peut-être que je mémorise la position des leviers dans la machine à météo. Mais on a fait quoi? On a fait l'orage et on a fait la tempête de sable. Nous avons fait l'orage, la tempête de sable.
Voilà, c'était le temps de tout à l'heure, je crois. Non? Oui, c'était l'orage. Donc j'ai pas fait le reste. Ouais, j'ai pas fait ça. Et après, il faudra que je pousse le levier de gauche à fond, vers le fond. Vers l'arrière. Alors attends, d'ailleurs, de peur de me louper. Ah, il est revenu, lui? Oh merde. Ouais, te tirer tout vers moi. D'accord. Ouais, je préfère, ce sera plus simple pour moi, pour mémoriser qu'il faut tirer tous les leviers. Ah, j'ai pas eu la flotte. J'ai pas fait l'averse. Les mottes. Oh. Ouch. Oh, elle a pas le temps de toucher le sol qu'elle s'est faite intercepter. Ah. Voilà, je lui ai mis le malus de fragilité et il est déjà mort. J'ai même pas le temps de changer de strat. De stratégie. Il a été fumé. C'est rigolo. Est-ce qu'avec la pluie il se passe quelque chose? C'est moi ou... Attends. Pourquoi il a l'air creusé à l'arrière là? Merde. J'ai pas le temps de tourner autour de la sculpture pour l'analyser, que j'ai des ennemis qui viennent me faire suer. Ah, oh, on va faire la danse du Pampa pour rigoler. Pampa dance. Da da di da 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 di da da. C'est n'importe quoi. J'ai rigolé. Sous la pluie, il a fait la danse de la pluie. Les blind force. Oui, alors attendez, j'observais la sculpture. Là, on dirait qu'il y a une espèce de trou d'orifice, vous voyez. Ah bah tiens, l'effet spécial avec le cercle de visée me permet de voir davantage. Bon, allez. Il faut... Ouais, non. C'est étrange. Quoi, Pupo? T'as eu un truc? Non, il gémissait que je l'ai balancé, c'est ça? Attends, le truc, c'est toujours la même chose pour les chasseurs. Merde, il manque encore un ennemi. Bon, ça va, c'est un gentil à patater, donc ça va pas durer. Non, je suis pas encore allé au marais. Mais oui, je comprends que tu me suggères que c'est passé un truc avec la flotte. Il y a quelque chose qui a débordé. On va aller voir le marais. Il est où le... Ah, merde, qui c'est qui s'approche? Il m'a l'air étrange de coloré, lui. Je le connais? Ou c'est moi qui... Non, je le connais. Enfin, je les connais, c'est un tuyau. On a retrouvé les To Be Free. To Be Free or not To Be. Je n'ai jamais giclé comme la première fois. Ah, alors tu me suggères d'aller voir le marais sous la pluie.
La 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 la. Le marais cristallin. Oh oui, attends. Attends. Non. Oula, attends, ma perception est... Attends. Qu'est-ce que j'ai vu de bizarre? Attends, là j'ai les deux bandes cactus habituelles, mais j'ai... Ah, il y en a une nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci Dragon de m'avoir guidé, mais c'est... C'est les tarasses biscottées quand même, hein. C'est tiré par les cheveux leur... Enfin bon, c'est très japonais quelque part. Quoi Miaou quoi? Mais je le connais pas lui. Miaou Mao. Oh, sympa, j'ai gagné deux queues de phénix en le... Qu'est-ce que... Ah oui, il clignote la mob. Ah non, je croyais. C'est la pluie qui le met dans cet état-là. Alors... Quoi? J'ai cru voir un truc translucide à l'arrière-plan à un moment donné. Je deviens fou là. Attendez. Il y en a un qui est pas mis en lumière, on peut le dire. Ah, qu'est-ce que c'est? Ouais, comme il dit, tiens. Ah, je t'en ferai moi des tiens par la barbichette. La salut les gars, je... Oui, on va la toucher. On va se piquer dessus. What? Oh! Il faut battre le... Il va y avoir un duel de... de Pampa. C'est trop drôle de voir les deux en... Ah oui, aïe, il fait sa petite pile. Ah oui, ça fait bobo. Ah, ma gentille est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Oh bah d'accord. Bon bah j'en ai fait du jus. Je l'ai mis dans le mixeur, le cactus, et on a obtenu de la mousse australienne qui pique au cactus. Mais what the fuck. Mais c'est indiqué sur la carte du coup ou pas? Non, c'est pas des trucs normaux. Hein. Oh les salopards. Ils l'ont pas indiqué sur la carte. Attends, tu peux remonter s'il te plaît, Sarah. Prends de la hauteur, ma grande. Faut que j'ai un point de vue perché. Merci, bouge plus. Je veux voir s'il y en a d'autres. Mon dieu. Oh Momoka, merci. Bonjour Momoka, j'espère que tu vas bien. Merci pour le relais de chaîne. J'espère que ton direct du matin s'est bien passé. Je devine que tu vas aller faire ta popote du dimanche midi. Bon app à toi par avance. Merci Momoka. Mais oui, bienvenue. Comme dit Aerostar. Bienvenue à vous. Ça va bien, c'est cool. Ouais, je veux bien, merci Momoka. Ouais. Là, je suis guidé en plus par Dragon de Lorraine, qui est adorable. Qui me guide dans le Final Fantasy XIII, deuxième partie. Enfin, deuxième Blu-ray. Et ce jeu rend fou. J'essaye de trouver visuellement des...
des bornes cactus translucides. Il faut que je mette en lumière. C'est la folie. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Non, je crois que je peux retourner vers le... Vers le portail scellé. De toute façon, si je vois qu'il est encore scellé, je vais revisiter, inspecter la zone, les steppes, plus rebidouiller la météo pour essayer de provoquer des choses, quoi. Merde, il y a un ennemi. C'est pas simple, mais pas insurmontable. D'accord. Tu étais sur ta run de... The Last of Us 2 en difficulté max. Oh vache. Eh bien, GG à toi pour la comment on appelle ça, l'abnégation, la persévérance. Voilà, c'est bon terme. Oh, je pourrais pas dire, dragon, combien de pampa jumbo j'ai pataté. Je sais plus combien j'en ai pataté, moi. Ça fait tellement de week-end que j'erre. Tu vois bien, j'ai des stats au max. Je suis à 99. Le masochisme aussi, oui. Je conçois mon moka. Effectivement. Il y a une forme de masochisme. Je sais pas combien je vais patater. Bah tiens, on voit les deux spéciaux là à vue. Gauche et droite, on les voit les deux. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir un troisième au fond, mais c'est quoi? C'est la borne ou... Ah, ce jeu qui rend fou! Sinon, c'est pas grave, hein, je continue à errer dans les steppes sous la flotte. C'est quoi ça? Attends, celui-là, je l'ai fait ou pas? Non, je l'ai fait. On peut plus interagir avec. Il y en a peut-être un autre qui est planqué que j'ai pas vu. Il faudra que je tombe dans les steppes sous la flotte. Si, tu peux le voir dans le menu du jeu. Ah. Il y a le compteur de patatage de cactus. De toute façon, j'ai repris la direction du portail scellé. Bon appétit, les gens. Merde. Évidemment, je suis tombé dans le... Eh, faut que je me méfie des canyons. Parce qu'il peut y avoir des trucs de planqués. Évidemment, le jeu m'a déjà fait le coup de me planquer des trucs dans les canyons. Il fallait regarder dans les crevasses. Allez, démontage de robots dans les règles de l'art. Adjugé, vendu. On va aller dans le menu, comme tu dis, dragon. On va voir mon compteur de cactus pampa pataté là. La merde, j'ai pas le temps de. Je voulais faire l'usage du Pokémon en sauvrier, mais comme ils sont tous morts dans l'attaque massive. Voilà. Alors, les stats. Je le vois où, dragon?
C'est quoi déjà les fragments? Je sais plus. Catégorie. Ah, il m'en manque. Ah, il m'en manque pas mal. Hein. Oh la vache, les gloires de Blitz, j'ai rien. Trouver les survivants. Oh mon dieu. Dans le bestiaire, d'accord. Dans le bestiaire. Non, non. Oula. Ah! Pampa. Alors j'ai eu le gigantesque, le métallique. Quoi? Apparemment j'ai pas eu le métallique. Les gigantesques, je les ai eus. Mais alors je sais pas si je suis dans les bonnes statistiques dragon. Mais apparemment le métallique je l'ai jamais eu. Il me l'a pas validé apparemment. Tu vois, j'ai pas la coche. C'est bizarre. Non bah non. Comment ça immuable? C'est quoi les 7 immuables? Ah bah je les ai eu. À quoi ça ressemble un 7 immuable? Oh, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus de celui-là. Académie en 400. Oh mon dieu, quelle horreur. On se croirait dans Resident Evil. Et lui, il est dans les monts Yatcha. Ah oui, il était chiant lui. Oh, qu'est-ce qu'il était chiant celui-là. Ouais, bah c'est ceux que j'ai pataté là récemment. Oh les horreurs. Les alliés. Il y a lui. Oh là là. Oh là 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 là. Les ambulants. Oh, il m'en manque un dans les ambulants. Ah bah, c'est celui que j'avais pataté tout à l'heure. Faudra que je remette l'orage. Mais... Alors attends, métallique. À mon avis, il m'en manque un. Alors, je sais qu'il y a, une zone qui est planquée en haut, là, par ici. Il y a un coin bien planqué. Je crois que c'est là. Ouais, voilà. Non ? Ah non, c'est pas par ici. Ah, je sais qu'il y a un truc de... Non. Eux, je les patate. Bah, le portail, il est toujours scellé. C'est pas clair. Eh, si c'est ça, si tu as raison, dragon, c'est pas clair. Parce que je me suis approché du portail, pour moi, il n'avait pas changé d'aspect. Au moins, ils auraient dû avoir la politesse de le déverrouiller si j'avais fait le nombre de cacus pompa nécessaire. Attends, si c'est ça, quand même, là aussi, je vais être vilain. Enfin, vilain. Je vais être acerbe dans la critique du jeu, là. Parce que c'est pas clair. C'est pas clair. Non, là, il n'y a plus rien. C'est la source de la flotte, là. C'est un... Mon Dieu. Oh, cette aura de lumière. Tiens. Ah, les bombes boules. Ah, j'ai résolu le défi, d'accord. Non, il est plus serré. Ah, d'accord. Bon, bah merci, dragon. Mais c'est pas clair. Franchement, c'est pas clair. Là ils ont merdé leur enfin, pas leur interface, mais leur narration. C'est dommageable. Ils auraient dû être moins mystérieux et moins tordus, j'ai envie de dire, dans la mécanique de jeu pour ça. Alors, ça frôle, d'ailleurs, c'est plus que frôler. Je pense d'ailleurs au final que c'est de la malhonnêteté intellectuelle, mais pour des raisons vénales. C'est pour vendre les bouquins de Solus dans le commerce.
et entre guillemets justifier le fait d'acheter. Yes, we broke the seal on the gate. C'est pas clair. Moi, je l'ai vu, ou pour moi, je le voyais encore scellé. C'est vraiment pas clair. Merci, Dragon, hein, mais. Oui, tu es, mais non, mais c'est pas clair, je suis pas d'accord. Je suis fâché contre le jeu, pas contre toi, hein, Dragon. Au contraire, merci de m'avoir aidé, mais. Il faut un artefact primitif pour ce portail. Ah oui, merde, il manque pas avoir un primitif maintenant. J'ai envie de dire, il manquait plus que ça. Alors attends, je vais retourner dans une autre époque pour récupérer un primitif. Primitif. Je crois que j'avais acheté celui que je pouvais acquérir au casino là. Attends, je vais retirer ma coiffe rigolote parce que j'ai chaud au crâne. Je commence à avoir chaud au crâne. Ah, faire ça dans sa lanoire. C'est rigolo. Chez Wigolo. Oui, ça va m'amener à la suite le portail, ouais, mais il faut que toi, il me manque un artefact primitif. Un artefact primitif. Ouais. Voilà. C'est pas évident de mettre la main sur les artefacts primitifs. Ça veut dire que j'ai mal fouillé certains mondes. Ce qui est un peu vexant. Le dernier portail, artefact primitif que j'avais trouvé, souvenez-vous, j'avais balancé Mog dans la forêt jungle, liane, là. On était sur le dos d'une créature, sur sa carapace, pour passer du point A au point B au milieu de la jungle. J'avais balancé Mog dans ce canyon-là, et il m'avait extrait un cristal primitif. Enfin bon, bref. Fortuna, j'ai pas tous les fragments. Ouais, on va aller voir en Dragon. Mais j'en ai déjà acheté un là-bas, je crois, Fortuna. Pardon. Et on peut pas en acheter indéfiniment, je crois, des artefacts primitifs au casino. Sinon, c'est complètement craqué. Autant tout miser sur le fric et les acheter à tour de bras, quoi, au lieu d'aller chercher. Mais on va vérifier. Mais je crois que j'ai déjà grillé cette cartouche, ce Joker. Acheter l'artefact. On peut le faire qu'une fois, je crois. On va vérifier. Je ne suis plus sûr de rien. Attends, oula, t'es où, ma grande? Oh là là, avec cette caméra, je vois plus où elle sert. Ouais, je vais aller dans la salle du feu. Ah, il faut que j'aille voir la prêtresse. J'ai peut-être un privilège. Oh non, je pense pas. J'ai rien fait d'exceptionnel. Je pourrais toujours aller la voir, mais à mon avis, non, je n'aurai pas de privilège accordé par la déesse. Oh là, il y en a des chocobos ici. Je me souvenais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Oh well, at least I have fun. Greetings and salutations. What can I do for you today? Mmh. Oui, vendu. Ouais, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul d'artefacts primitifs à la vente et je l'ai déjà acheté. Enfin, je leur ai déjà acheté leur truc le plus important. Je les ai dépouillés en fait.
les ai dépouillés. Oula, ça coûte cher ça. La guerre restaure les PV au nom de la joue de synchronisation. Oh la vache, lui, il est exil, c'est complètement craqué. Ruban, augmente la résistance aux altérations d'état 40%. Ah, il y a encore des ornements que je peux acheter pour les Pokémon, dis donc. Oh le bordel. Oui, bah oui, on sait pas où trouver, ouais. Quoi? Une arme paradoxale dont la puissance égale celle d'un dieu guerrier lanceur de foudre. Puis sa force des fragments. Bonjour Torota, comment que ça va? Oui, je veux bien acheter l'épée double des dieux. Au moins, je serais pas venu pour rien. C'est pour qui l'épée des dieux? Non, bah non, elle tire à l'arc. Je suis idiot. C'est forcément pour Noël. Parce qu'elle tire à l'arc. Fatigué, mais ça va, rien de grave. Ah oui, tu me rassures. Ok, Torota. Bon, bah bon repos dominical, j'ai envie de te dire. Alors, attends, sélectionner. Ah oui. Oh bah ouais, c'est de la mouise. J'ai acheté un truc qui est moins puissant que mon truc actuel. Ah non, j'ai dit une bêtise, pardon. J'ai sélectionné le vide. J'ai rien dit. C'est complètement craqué, c'est magnifique. Noël est encore plus puissant que précédemment. Eh bah voilà. Joie. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Ah non, je veux pas faire de course. Non, c'était rigolo, mais une autre fois, hein. On va dire aujourd'hui j'ai migraine. Ça parle mal. Oh, elle est sympa ton émoticône animé en shuriken étoile là qui est en rotation au dragon. Pas mal. C'est original. Du moins l'animation elle est bien faite. Alors, je vais aller voir la prêtresse déesse si elle veut m'accorder un privilège nouveau, mais je ne pense pas. The distortion in time gave birth to countless shards of many forgotten histories. The goddess is greatly troubled over this. Non, là je l'ai dans le cul lulu. Non, j'ai rien de nouveau. Alors, va trouver un un artefact primitif. Mince, j'ai zappé trop vite. Je vais encore errer d'interminables heures dans ce Final Fantasy XIII partie 2. C'est beau, j'ai le début complet. Ah oui, il y a des trucs sur le au niveau du. Vous voyez ma fresque de voilà mon réseau spatio-temporel. Il y a vraiment, oui, il y a encore pas mal de trucs à déverrouiller dans les scénarios alternatifs qu'on n'a pas encore fait et qu'on pourra faire une fois qu'on aura patété le. On aura patété Monsieur Pou. Académie en 400, il me manque 2 fragments. Oh, alors là, Académie en 400 alternatives, j'ai aucun fragment, je sais même pas pourquoi. Donc Pime Infâme, je l'ai dans le cululu pour le moment. Mode agonisant, j'ai 2 fragments sur 4. Ouais, ça c'est vers la fin. Alors là, j'ai pas fait la fin de l'Académie 500. Neo Bottom. Attends, vas-y voir au niveau des. Oui, c'est ce portail qui manque en fait, le coup de la. Des steps, on est d'accord.
Attendez, je retourne dans le... Bah oui, c'est celui qui est en blanc qui est pas... Ouais, c'est le seul. La suite, comme tu me dis, Dragon, c'est... elle est là, forcément. Donc, il me manque un artefact primitif. Où est-ce que j'en trouve un? Académie en 400... L'Académie me fait grave suer, en fait. Si je suis la Végite... je sais pas, je vais dans le monde agonisant. Monde agonisant, il manque des fragments, pourquoi je l'ignore. Bon, il va falloir trouver. Oui, ça va être chaud, bah oui. C'est pas comme si j'ai grave galéré pour trouver les précédents artefacts primitifs. Ragé aussi. Celui d'Academia là qui était ultra translucide. Perdu en bas d'un escalier en impasse. Non mais il y a vraiment des trucs tordus dans ce Final Fantasy. Mais c'est pour le commerce, c'est vraiment pour vendre les bouquins et s'en mettre plein les fous au niveau de la thune. Soupir. Merde! Ah bah tiens! V'là type un cactus qui veut en découdre. Est-ce que je peux lui imposer mon malus? Non! Il est résistant, monsieur Picon, moi. Il peut se barrer à n'importe quel moment, d'ailleurs. Bon bah, il est mort. Voilà! J'en ai fait de la bouillie du cactus Pampa Mini. Retourne dans tes steppes. Ça parle mal. Analysons un peu la carte au lieu de partir comme un fou furieux au milieu de nulle part. Ouais, explorer à 100%. Oh là là, c'est la théorie du vide là. Chocolat, trésor, je sais pas, je... Oh mon dieu, ce zoom des zooms. Y'a qu'ici que le zoom des zooms est hyper puissant. La vallée de la mort. Non, je sais pas, j'ai rien d'apparent, je comprends pas, j'ai pas tous les fragments, je sais pas pourquoi. Ah oui, attends, tu m'as dit dans les menus, Dragon. Je peux avoir... attends. Les fragments, les v'là. Par lieu, ouais. Pourquoi j'ai pas celui de... On est dans le prout-prout. Oui, tiens, les steps, d'ailleurs. Pourquoi je n'ai pas tous les fragments? Fragment gobelin. Là. Oui, j'ai eu le prout. Oui, j'ai pas eu tous les monstres dans les steps. C'est fou, ça. Donc, les moutons, cristal pour... Voilà, t'as le souvenir... Ouais. Attends, j'aime du trou noir dans les steppes. Fragment malin gobelin. Ouais, il y a des monstres que j'aurais zappé de patater dans les steppes, visiblement. Déjà, ça c'est troublant. Fortuna, pourquoi il me manque un cristal du chaos? Oui, ça c'était pour résoudre les paradoxes sur place. Les dés de 7 heures, le duvet ouais, que j'avais trouvé sur un rebord. J'ai le cadeau inestimable qui est soliloque de Zaz, propriétaire qui s'est venu à l'âge de jour. Il y aurait une arène dans la mine du temps. Oui, bon, ouais. Ouais, c'est bizarre.
C'est vraiment pas clair, ça me bouffe. Rapporter les cartes complétées, et ben c'est pas fait ça. Fragment de. Zenobi fait partie d'un redoutable groupe de 7 appelé Immuables. Après avoir dévasté l'Irune, elle a disparu sur les 7 places. Déchirure, passe-temps. Attends, en l'an 400 AC, en 400 après les événements, Zenobi fut invoqué à travers une déchirure de l'espace-temps par le proto-falsi Adam. Adam, pardon. Et son arrivée annonça la mort de la prêtresse Yol. On dit que ce moment avait a été visualisé et enregistré dans le lecteur de l'oracle. Ouais. Docteur Esparadox. Nanana. Des plans que vous avez obtenus listés dans la section objets clés de l'inventaire. Objets clés de l'inventaire. Ah oui, il me manque un guide de voyage. Quel est le lieu qui me manque? Objets clés dans l'inventaire. Ouais, les plans. Bah, pourtant, on pourrait croire que je les ai tous. Il n'y a pas de trou dans le. Enfin, si moi j'ai un trou là, mais. C'est pas au niveau des plans qu'il y a le trou. Bonjour, Pop'n Ripop, comment que ça va? Ça va, le coup de ta période d'essai, le boulot là? Tu tiens le coup? Sacré Pop'n Ripop, merci du coucou. Ah, je pense bien que ça fait toujours plaisir. Nora, alors attends. Ouais, ça va, c'est bien. Ouais, ça va bien, merci. Cool. Alors attends, je fais l'inventaire. Environ de néon bétum dessiné de Nora. Ouais, je suis allé en de machin. Coliser les steppes. Ouais, j'ai le plan Fortuna Academia. Pix Infantor Augusta, monde agonisant. Néon bétum. J'ai même le plan de l'abîme du temps, c'est juste énorme quoi. Oui, ça va, ça se passe plutôt bien de mon côté, on n'envisage pas de me virer. Ouais, c'est quelle époque. Oula! Oulala! Il y a des flambis de cendres. Je le connais celui-là dans mon bestiaire? Oui, je le connais. Ouais, ouais, je le connais. Je l'ai déjà confronté plusieurs fois, justement. Bah, je me refuse dans l'immédiat de. D'aller confronter Caius, le grand antagoniste de ce deuxième Blu-ray sur les trois du Final Fantasy XIII. Je me refuse de le confronter tant que j'ai pas fini l'épique infâme avec les mecs, l'escouade de militaires qui est perdue là dans les paradoxes spatio-temporels. Gère tellement à droite à gauche que regarde, tout le monde est à 99. C'est-à-dire que j'ai eu un trophée tout à l'heure. J'ai les capacités des protagonistes, de nos héros qui sont au plafond. Je peux pas les améliorer plus. J'ai tellement erré, tu vois, j'ai 89 heures de jeu. Je suis au taquet, sans triche, je suis à fond dans les stats. Donc là, du coup, je me promène, ça fait plaisir. Donc, il faut que je parvienne à sauver les militaires qui sont perdus dans le bordel spatio-temporel, et il faut que j'aille confronter dans les pics infâmes, je crois, Odin qui est l'ancien Falsi qui était dans le corps de Lightning quand elle était maudite, si j'ai pas de bêtises. Il faut que j'aille le confronter, mais je peux pas le faire parce que je suis pas à la bonne époque. Je suis où? Sur le bon lieu, l'épique infâme, mais pas à la bonne époque. Pour y aller à la bonne époque, il faut que je déverrouille le portail qui est scellé
dans les steppes, ce que je viens de faire ce matin grâce à Dragon. J'ai enfin confronté le dernier cactus pampa qui me manquait en errant dans les steppes sous la flotte. Voilà les conditions. Mais une fois que j'ai décellé le portail, je ne peux pas l'activer car il me manque un artefact primitif. Donc, je suis condamné à errer dans les autres mondes à retrouver un artefact primitif que j'ai pas encore chopé, probablement le dernier parce que j'aurais ouvert tous les portails. Voilà à peu près où j'en suis. Une fois que j'aurai sauvé les militaires aux pics infâmes, je vais confronter Kaios pour le grand combat final. Et seulement à partir de là, je vais pouvoir exploiter les fins alternatives. Et j'en ai encore pour je sais pas combien de week-ends. Mais au moins, je l'aurais rincé. Merde, j'ai cliqué sur alors que je voulais pas. Oh là là là, mauvais réflexe. Bon bref, tant pis, je vais aller voir ailleurs. Je vais aller voir à Neobottom en 700. Hein. Merdoum. Ah là 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 là. Ah oui, alors attends, ici on est à Neobottom. Par lieu. Ouais, le Neobottom de. Oh, il y a un Neobottom que j'ai pas déverrouillé. Alors, le message de Hope, je l'ai. J'ai le tableau. La mort n'existe pas dans la minute du temps. Au lieu de mourir, les âmes aspirent par la cible des rêves tissés. Désert le plus cher, une fois pris au piège de ses rêves, nul ne peut s'échapper. Le prochain pouvoir regarder dans le miroir, prête attention à son pourtour. Nanana, la fantomatique, monde des miroirs, univers d'heure du temps. Les specs qui l'habitent savent qu'ils sont prisonniers pour l'éternité. Le tableau cartésien. L'abîme du temps est un gouffre, une heure visible et invisible. Blablabla. Notre engin des mondes clos et incomplet connu sur le monde de failles temporelles. Dimension abrite d'autres endroits encore, tels que les arènes de combat, des palais construits. Ouais. Je mange en entrée des asperges. Oh, plat principal, des boulettes de bœuf avec des patates wotties. Eh ben bon appétit! Sympa, bien, pas mal le repas. Bon app. Message de Hope. Serra, tu m'entends? Là-bas dans le futur, je t'envoie un code d'accès pour une sphère de ravitaillement. Je pense que ça t'aidera à la bataille fatidique qui s'annonce. Une sphère de ravitaillement, d'accord. Et là, j'ai un Neobottom qui est inconnu. J'ai pas déverrouillé. Ouais, bizarre. Donc les steppes, il manque des monstres. Fortuna, il y a un truc que j'ai pas pigé. L'académie en 400. Ouais, c'est rapporter les cartes complétées. Ouais, il y a ça que j'ai pas. L'académie en 400 et en 500, j'ai que Puik. Voilà, j'ai aucune idée. Montrer les docteurs pour compléter. Ah ouais, non, c'est trop. C'est fou. Bon, attends, je vais me balader un peu là, mais je crois qu'il n'y avait rien de. Bah, au moins, ça écoute une belle musique au piano. Non mais j'avais déjà écumé ce lieu. Ah, j'ai entendu un bruit bizarre. C'est Mok qui a fait le bruit.
Ibé, ce paysage de désolation. C'était Ib. Alors attends, qui c'est qui est apparu là? Oh! Espèce de mouche. Ah, vas-y, fragilité, prends dans tes dents. Non, ça a plus pas pris. J'ai même pas réussi à lui aller dans la tronche. Je ne peux pas raver les morts. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le deuxième en tout coup, oui, c'est vrai. Enfin, les petits. Il y a peut-être des choses intéressantes à racheter. Oui, bah je vais racheter les potions qui me manquent. Là, j'en ai utilisé deux. Antidote, eau bénite. Oui, c'est pas mal l'eau bénite. C'est pratique l'eau bénite. Vas-y, voir que je refasse le plein. Décidément. Merci petit Seb Live qui fait un bouc. Bah j'espère que tu reviens, j'espère que t'as réussi à dormir cette nuit. J'avais pensé à toi ce matin, en me disant pour que t'es bien dormi. Merci pour l'enlève de chaîne. Ah dis-moi que t'as bien dormi petit Seb, que tu récupères ton quota de sommeil. Pas terrible pour m'endormir à cause du vent. Ah bah t'as été comme moi. Après ça a été, ok. Bon au moins t'as pu récupérer un peu ce week-end. Tu me rassures. Parce que tu vas devoir enchaîner sur une autre semaine de taf, que je sache. Merci pour le relais de chaîne et surtout pour les bonnes nouvelles. C'est cool petit Seb. Me voilà rassuré te concernant. Merde, je suis bloqué par le décor. Ah. Ouh. Attends, j'ai pas identifié mon ennemi. C'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que vous comprenez mon propos. Oui, merci. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci, bon app à toi aussi. Bah oui, je pense bien que tu vas partir en popote, miam. Bon app à toi aussi, merci tout plein. Bah moi, j'ai pas faim, là. Je suis un peu décalé. Et puis je suis acharné sur mon Final Fantasy qui me sort par les trous de nez. Oh, bonjour Nashevman. Comment que ça va Nashevman? C'est sympa, vous arrivez à tour de rôle, c'est rigolo. C'est rigolo et c'est plaisant. Oui, alors mince, attendez, je disais que j'arrivais pas à contourner le décor. Oui, voilà. Il fallait que je contourne le rocher. Enfin, du moins la formation rocheuse. Non, là, il n'y a rien d'apparent. Là. Alors, c'est peut-être au centre de la carte qu'il y a un truc qui m'a échappé. Non, tout n'est que tristesse et désolation par ici. Remarque, il y a l'espèce de grand arbre, là. Ah, qui c'est qui est apparu dans mon dos? Ah, un dernier. Nous allons pas dater le dernier. Alors Nashevman, tu dis ça va bien, je refais mon station avec le second PC. Ouais, grâce à Poupon. Poupon qu'on embrasse. Oh le salopard, il m'a guaqué. Il m'a dit 1, 2, 3 soleil. Le vilain. Je lui ai mis un malus dans la tronche, il a pas aimé, il en a fait pareil au retour. Blablabla. Oui, bon app, Christella. Merci. Christella qui nous souhaite à tous un bon appétit également. Alors attendez, je disais, je voulais me diriger au pied de l'arbre mort. L'arbre d'Ignifus, comme dans Diablo.
Bref. Non, y a rien. On est d'accord, Mog, y a rien. T'as pas clignoté, là. On est d'accord, y a rien du tout. Y a rien du tout. C'est pas mal. L'atmosphère, j'aime bien. Il y a... C'est psychédélique, mais il y a quelque chose de beau dans le... dans ce décor de désolation. Et tout, et tout, et tout. Et... Torota qui dit bonjour à tout le monde. De nouveau. Oh, coucou Torota. Oula, tu t'es endormi à 5h30 du mat et debout à 11h30. Ouais. La vache, violent décalage. Je pense que t'as été comme Petit Seb et moi dérangé cette nuit par le vent qui a soufflé. Moi aussi j'ai les volets qui me claquaient. Et c'est vrai que pour s'endormir, ça aide pas du tout. Et il y avait moyen de... Merde, il y avait... Oh ! Encore un petit cactus de mes deux. Et B. Moi aussi, j'ai mal dormi à cause du vent. 3 heures du mat, tu t'es endormi. Oh la vache. Oh là là. Ouais, non, c'est la catastrophe. Non. Hein? Ah, il s'est barré, ce Nigo. Il s'est barré lâchement. Écoute, il était suspendu. Et puis, le mon Pokémon qui a fait un début d'attaque pour rien. C'était ridicule. Il s'est payé de notre tête, le mini cactus Pampa, là. Il s'est vraiment bien payé de notre tête. Oui, voilà, je me disais bien qu'il y avait une plateforme surélevée. Il y avait un truc de planqué par ici. Mais non, mais là, non, mais non, il n'y a rien de neuf, là, c'est bon, c'est... Foutu pour foutu. Waouh, les palmiers desséchés, c'est trop bizarre. Ah, il est où l'artefact primitif? Attendez voir. Je vais regarder dans ma Solus en ligne. Est-ce que j'ai pas comment on appelle ça? Un inventaire des artefacts primitifs. Alors, privilège, mini-jeu. Tiens, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui voudraient voir, je vais vous donner le lien que je consulte. Pour ceux qui veulent regarder. Ouais, vous voyez, je suis sur la page là. Oh, bonjour Maruta! Bonjour, bonjour. Pardon, je t'ai pas vu arriver. Ah, il y avait du catch cette nuit. Ah, d'accord. Ok, je comprends mieux, Toruta. Ça encourage les insomnies. Maruta, tu me dis, chez moi, il y avait bien du vent, mais ça m'a pas empêché de faire dodo. Ah bah, tant mieux. T'es un vénard, parce qu'on est tous à s'en plaindre du vent. Qui nous empêche de dormir avec les volets qui claquent, entre autres choses. Alors, attends, mini-jeu, quoi. Attends, sur quoi j'ai cliqué, là? Ah non, pique infâme, oui, non, d'accord. Cuisse d'académie, course de chocobo, machine à sous. Non, les mini-jeux, je m'en bats les steaks, excusez-moi du peu. Bestiaire, oh la vache, il y a tout l'inventaire des bestioles. Les fins paradoxales, oui, je découvrirai plus tard. Les labyrinthes temporels, c'est quoi? Ah oui, c'est les énigmes avec horloge et tout le boxon. Oui, non, c'est bon, ça c'est fait. Alors, les quêtes par lieu, Crystarium. Ah oui, l'évolution des personnages. Non, mais c'est bon, je suis au taquet. Guide. Voilà, non, c'est dans guide qu'il faut que j'aille. Je suis dans Neo Bottom de 700 AC, voilà. Oui, alors ça, j'ai déjà fait.
avant d'aller à Académie en 500 AC. Il est utile de faire un passage à Fortuna pour occuper le privilège sous anti-gravité. Restez en occasion pour sortir et faire la tâche lors de vos déplacements. Ouais. Attends, il faut que je regarde dans les Solus où est-ce que je peux trouver des artefacts. Oui, donc Académie en 500, c'est la bataille finale contre le Prout-Prout d'antagoniste, normalement. Ouais, la dernière bataille, machin. Oh la vache, le boss, il est beau. Il est magnifique, le boss. Donc ça, on fera ça un autre week-end. Alors, avant ça, normalement, il faut que je trouve un artefact primitif ailleurs. Monde agonisant, déjà. Pourquoi j'ai deux trucs sur quatre? Chaque côté des magie de Mog au centre de la place pour avancer un plan du monde agonisant. Oui, alors, je l'ai à 100% la carte, là. Par la gueule, elle disparaît de la même manière que Caius. Oui, j'ai eu le dialogue avec Caius, ouais. Noël a retrouvé ses esprits, il est temps de quitter l'endroit. Les monstres peuvent désormais apparaître donc par message son bon. Objectif est de retourner au monument des clairvoyants. Une fois arrivé, examiner le lecteur d'oracle, puis parler à Mog. Celui-ci vous raconte la véritable histoire de Caius. Une fois la discussion terminée, il ne reste plus qu'à prendre le portail et vous rendre à Neobottom 700. Chaque fois que la prophétesse a une vision du futur, elle part un peu. Mais oui, je l'ai eu ce dialogue. Mais ça ne me dit pas pourquoi je suis à 2 sur 4 dans les artefacts là-bas. Lorsqu'il s'arrête enfin tout au nord de la carte, dépensez vos points de compétence avant de vous approcher de lui, car un nouveau combat contre Gog Magog va débuter. Mais je l'ai pas tâté, mais j'ai déjà fait ça. Oh, le bordel. Vous habitez tout près d'une mer, ceux qui ont eu du vent. Tu cherches quoi? Non, moi, je suis pas proche d'une mer. Maruta, excuse-moi. Mais la Lorraine, la mer est très très loin. Moi, j'ai un climat continental. Comme on dit en météo. Je cherche quoi? Je cherche un artefact primitif. Il doit me manquer le dernier artefact primitif du jeu. Voilà, Maruta. Merde, j'ai repris la manette de PlayStation alors que je suis à l'aveugle et que je suis encore dans le navigateur internet. C'est pour ça que je lis les Solus là. Je regarde les là où j'ai pas tout. Académie en 400. Et au bottom de machin. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Nous les transformons. Oui, bah je crois qu'il me l'a dit ça. Oui, super sens de Mog. Mais oui, mais je l'ai eu ça. Ça veut dire que j'ai réussi cette quête. Ouais, l'académie me résiste pas mal. Comment ça? Tour Augusta, blablabla. Attends, c'est quoi cette horreur tentaculaire? Je l'ai battue? Je m'en souviens plus. Attends, j'ai des captures d'écran qui sont très belles d'ailleurs. Cerber. Oh non, je crois qu'il y a très longtemps j'avais battu ce boss. Sans doute au casino où il y en a un à acheter. Bah figure-toi que je l'ai déjà acheté, Maruta, que je l'ai déjà utilisé. Donc en fait il faut que je trouve le dernier artefact primitif à trouver. Je peux pas l'acheter au casino. J'ai déjà utilisé ce joker. Il m'en manque un mais je sais pas où il est. Donc je suis condamné à errer jusqu'à ce que je tombe dessus. Puis les steppes, il y a des mystères aussi dans les steppes. Mm-hmm.
Ah bah tiens, j'ai le tableau des combinaisons de météo dans les steppes, dans la Solus. Ah, c'est bien fait. Oh, ce bordel. Alors, pardon, je continue à lire. Ah, peut-être bien en Academia Katik XX. Eh ben, on va aller en Academia. Je te suis. Si tu veux me guider un petit peu, s'il te plaît, Maruta. Merci, c'est gentil. Allez, je vais pas vous faire poireauter. Attendez, il faut que je me remette mon signal sur l'écran secondaire parce que là, je vois plus rien. Au secours! Je ne vois plus rien! Ah. Alors, ça y est, là, je revois le jeu. On va retourner déjà dans le portail et puis je vais vous. Je vais remettre le chat ensuite, le temps du chargement. Oh merde, Oum! J'ai les mouches de mes deux là. Ouais. Attends, je vais suivre tes indications. Comme Dragon est en train de se restaurer, je vais pas le déranger. Et Maruta, je profite de ta présence pour que vous soyez en gros en relais de guide pour moi dans une sorte de vie. Et une nouvelle fois, je vous en remercie. J'ai complètement merdé l'attaque parce que j'avais pas le. La manette en main. Ah merde, il y en a encore un qui. Voilà. Encore un qui subsistait. Ici, attends le temps de la bataille. Voilà, je peux remettre le chat. On parle de portail. Oui, une scène. Oui. Oui. Pas ceux d'Aperture Science. Malheureusement pour toi, Twinsen. Tu veux ceux d'Aperture Science. Nye. C'est beau. Le chemin, il est magnifique, là, en magie. Il est absolument superbe. Donc, tu me dis, il faut aller en Academia Katik X. Ouais, en 400 alternatifs. Alors, Dragon, tu me dis, j'ai trouvé ceci pour t'aider. Ah, merci Dragon. Oh là là. Eh ben je vais ouvrir le lien après. Je vais aller me rendre en Academia 4XX là comme dit Maruta. Oui j'ai 0 fragment sur 11, t'as vu Maruta? Alors là j'ai. Je sais pas pourquoi j'ai aucun fragment, je sais pas pourquoi. On va y aller. Il y en a 11 à récolter, j'ai que quick. J'ai rien compris en fait dans cette zone. Oh, il est intéressant ton lien. Copier le lien. Attends, le temps que ça charge, je vais le mettre dans mon navigateur. Et hop. Voilà. Artefact primitif. Ah. Ah, très très bien. Merci, Dragon, t'es un chef. Ah, t'es un chef. Ah, ça va me décongestionner. Les artefacts ne font pas partie des fragments. Oui, ne font pas fond. Ouais. Je pense que les fragments Academia, c'est les quiz. Ah oh, non. Ah bah tiens, ta Solus me dit que dans l'Academia alternative de l'an 400, à l'extrémité sud-est de la carte. Sud-est de la carte, dans une partie couverte de la ruelle, non loin d'un coffre. Ah ben on va aller vérifier tout de suite. Attends, je me copie-colle la Solus dans mon propre chat, histoire de l'avoir sous le pif. Twinsen dit, un dragon sera jamais un chef, car il sera toujours un dragon. Quoi? Mon dieu. Alors, interface de... Oh mon dieu, j'arrive plus à gérer mon... Je remets mon plein écran de la console, voilà, que je vois quelque chose. Et le chat pour vous lire. Voilà. Alors, extrémité... Merci, ouais, alors... Merci, Torota. Alors, mais tu vois, le fait d'épingler, très bon réflexe, merci. Sauf que ça marchera pas dans mon interface à moi. Pourquoi? Parce que le chat, je me permets de le rappeler... Je ne vous lis pas via mon navigateur avec l'interface classique de Twitch, mais avec un logiciel spécial qui s'appelle Chatty. Donc quand on épingle un message, moi je le vois pas en fait, via Chatty. Mais c'est gentil, merci Torota. C'est l'intention qui compte. Au moins si les autres veulent le voir, c'est sympa.
Mais du coup, moi, ça m'aide pas, en fait. C'est terrible. Donc, on a dit... extrémité sud-est de la carte. Donc, je vais ouvrir la carte. Le sud, c'est en bas. Parce que non, le nord est en haut, hein, la logique. Sud-est, là, il y a un truc planqué. À l'extrémité sud-est de la carte, dans une partie couverte de la ruelle. Non loin d'un coffre. Bref, c'est dans ce quartier-là qu'il y a le... primitif, et je sais pas si je l'ai eu. Attends, bah on peut le voir dans mon inventaire. Oui, bah oui, les artefacts. C'est ça. Voilà. Merde, bah je sais pas où est-ce que... Ah, oh, c'est con, ils disent pas où est-ce que je l'ai trouvé. Oh. Ouais, un projecteur. Ouais, bon, bref. Non, je vais relire la carte parce que je sais même pas où je suis. Attends, je suis là et on a dit qu'il fallait que j'aille là. D'accord. Donc, ah, barre-toi le menu. Donc, faudrait que je me barre par là-bas. Attends, je deviens débile là ou quoi? Pourquoi je suis dans un cul-de-sac? Mais... Oh mais ils sont débiles. Le truc qui sert à rien. Il faut que je passe par là. Les grandes villes, c'est pas pour moi. Par contre, si l'un d'entre vous a raison dans l'affirmation, c'est le coup des quiz qui permet d'avoir le dernier artefact, je suis pas dans la mouise. Donc, ce serait... Non, je me suis trompé de n'importe quoi. Du coup, j'ai fait fuir les gens, là, avec ma bêtise, en provoquant Mog. Oui, donc ce serait là-dedans, si j'ai bien compris. Dans une partie couverte de la ruelle, non loin d'un coffre. Bref, démerde-toi ouvrant les yeux pour trouver l'artefact. Ruelle couverte près d'un coffre. Près d'un coffre. Where should I go now? C'est ça, grande question. Où vais-je maintenant? Non, ruelle couverte près d'un coffre. Oh bah tiens, il y a un pupitre de quiz. Ruelle couverte. Qui c'est qui a dit Oua? Non, c'est un citoyen, il n'y a rien de... Non, non, Mog, il m'aurait fait coucou, c'est vrai. Alors, attends. Là, on est près d'un coffre, mais c'est pas vraiment une ruelle couverte, ici. Ouais, bof. C'est une rue marchande. Et là, il n'y a pas... Même dans le magasin, il n'y a pas d'artefact. Je vais devenir fou. Ce jeu rend dingo. C'est ça. Ouais, ouais. Oui, on est d'accord, ce portail, je l'avais déverrouillé. Mais... Oui, je l'avais déverrouillé. Ah, il y a une vendeuse. Je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant à vendre. On va regarder. Tant qu'à faire. Objet, entité, arme. Non, arme, j'ai plus rien d'intéressant. Ah, ah, ah. Attends, mais si. Attends. C'est quoi le délire? Ah, pourquoi je peux pas acheter. Attendez.
Bah, ça a l'air d'être mieux, et pourquoi je peux pas l'acquérir? Pourquoi c'est grisé alors que j'ai la thune? Je comprends pas. Eh, même l'arc angélique, il a l'air d'être mieux. Je comprends plus le jeu. Ou alors je deviens débile profond, excusez-moi, mais... 35... 54. Waouh, le qu'il ne faut, il me faudrait le qu'il ne faut. Comment ça, j'ai pas les matériaux nécessaires? Ah, il faut une corne. J'arrive même pas à lire. Supraconducteur. Et corne, d'accord. Attends, l'arc angélique, il a l'air d'être pas mal. L'arc angélique, il a l'air pas mal. Alors, le kinfo, il me faut une corne épineuse et un supraconducteur. Alors, 3 et 2, 3 cornes épineuses. Mais ça s'achète pas. Enfin, je pense pas. Si. Oh, bâche de soigneur. Une barre verte de bâche résine. Ça a l'air de valoir la peau du cul, ça. Pourquoi? Oui, j'ai... Voilà. Hein, je me la pète. Voilà, j'ai pas... J'ai acheté le bâche de soigneur. Corne de prout-prout. Je peux pas l'acheter. Attendez voir. Ce jeu me rend fou. Ah! Ce jeu qui rend fou. Équipement. Alors, sélectionner. Elle avait âme sauvage, mais j'ai acheté l'angélique. Ah, il est mieux en magie. Et la vitesse de la TB est... Ouais, pourquoi pas, on va changer. Donc on est d'accord, là elle a l'arc angélique. Ok. Et il y a encore beaucoup plus craqué, mais il me faut que j'achète les cornes machin que j'ai pas, je sais pas pourquoi. Comme quoi je peux encore progresser, mais plus dans les stats, seulement dans l'équipement. Mais pourquoi pas. Ouais, allez, j'ai utilisé un chocobo, au moins je vais. Hein. Ça m'évitera de faire les batailles à la CON. Bon, alors, ruelle, blablabla. Bla. Merde, je reviens là où j'étais. Ruelle. Partie couverte de la ruelle, non loin d'un coffre. Non loin d'un coffre. J'ai les coffres sur la carte, non? Oh, ouais, mais attends, il y a tellement de trucs. Ah, quoique. Ah, attends voir. Oui, monte voir avec le chocobo. Prends voir l'escalator avec le vaisseau. Enfin, l'escalier tout court. Ouais, je sais pas. Attends. Une ruelle couverte. Une ruelle couverte dans le bazar là. Ruelle couverte pas loin d'un coffre. Bah là, il y avait un coffre. Voilà. Oui, mais là, on est en... Ah si, aussi, moi, je... Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre une tannée. Ça part très mal. Ça a l'air drôle. Oui, si on veut. Really hurts my self-confidence when I hear my wife going on and on about how good looking or smart. Ah, fais machine arrière, tu me dis, Maruta. Attends, je vais faire machine arrière. Voilà, je reviens là. Dis-moi, Maruta, qu'est-ce qui te fait flipper? Il y a des gens qui courent comme des fous au loin. Ouais. Je reste suspendu à tes réponses, Maruta. Encore merci à toi. Chemin de gauche par rapport au chocobo.
chemin de gauche. Ah, donc voilà, par rapport au point, voilà, tu me dis d'aller par là. Voilà, là je bouge plus. Après je fais quoi? Escalier ou je continue sur la gauche? Non, tu l'as passé. Ah bon? Non, tu l'as passé. La petite ruelle. Ça? Tant pis, je vais descendre du chocobo parce que... Ah, tu l'as déjà pris. Donc j'ai plus rien à faire dans ce monde. Ok, merci. Donc ici, c'est rincé. Il faut que je retienne que... Voilà, merci, Maruta. Je vais me barrer dans un portail et je vais aller dans un autre... Oh mon Dieu, pourquoi je prends ces petits chemins étroits avec les piafs? Ça va me rendre fou. Oh là là. Tu devrais le voir, l'artefact translucide, mais non. Donc ça veut dire que je l'ai pris, ouais, ouais. Ok, merci. Ah, ce dédale qui rend fou, au secours, je suis perdu. Ah. Bleh. Ah. Ah, courage, pillon, barre-nous. Peut-être par là-bas, ouais. Oui, j'arrive à me barrer. Au pire, clic star et cœur de l'histoire. Oui, c'est vrai, je peux faire ça aussi. C'est vrai. Ah, ce jeu de fou. Descends, s'il te plaît, Sera. On se barre. On se barre. Alors, la soluce. Je vais relire le site excellent de Dragon. Alors, Academia, c'est fait. Oui, non, le monde agonisant, je sais que je l'ai fait. Mon Yatcha, terminer toutes les quêtes de la zone pour sortir l'artefact dans les autres. Les Mon Yatcha, mais je crois que j'ai fait. Oherba. Ouais, peut-être dans la steppe, ouais. À l'extrémité ouest de la carte, il se trouve dans une petite plateforme au contrebas inaccessible à pied, lancé Mog. Ouais, allez, on va aller voir des steps. On va encore retourner aux steps. Je remets. Alors, pas la peine d'épingler, hein, merci Torota, mais moi ça me suffit, je le vois comme ça dans mon chat. On va regarder celui-là. Je vais me remettre le. Attends, je l'avais zappé ou pas? Oui. J'avais zappé proprement, histoire d'économiser des ressources système. Suite de l'aventure. Les steps, on y retourne. On adore ça, youhou. Je sais plus, oui c'est là. Je vais devenir fou. Alors, les steppes. Extrémité ouest de la carte se trouve dans une petite plateforme en contrebas, inaccessible à pied. À l'extrémité ouest de la carte. Alors, voilà, on retourne sur place. On ouvre la carte et... Extrémité ouest de la carte. Oh, oh. Ah, bon. Comme les steppes, c'est un monde grand, il y a beaucoup de chargements. Sinon, au fond du marais cristallin. On va voir. Ouais. Bon. Sur une petite plateforme en contrebas. Oui, je vais aller voir les chocobos. Je vais tricher, éviter les batailles. Si ça finit par me bouffer. Euh.
Voilà. Allez, zou. Oh, puis on va faire un joli saut depuis la plateforme, si je peux. Ça va être joli, un vol planète Chocobo. Allez, on monte, on monte, on monte. Voilà, attends. Du haut de la falaise, et hop, je fais un saut magnifique. Aïe, Chibo. Ah, ça a pas duré longtemps. Ils ont de trop petites ailes. Donc tu m'as dit au fond du marais cristallin. Allons-y. Chez le modèle. Aïe. C'est rigolo. Yeah. On est au fond du fun, comme dirait JDG pour Fistiland. Au fond du fun. Oh mon dieu. Alors, il est où l'artefact primitif? Une plateforme en contrebas. Non, pas dans le ravin de la Muerte quand même. Faut pas déconner. Ah, elle est où la plateforme? Où est-elle? Attends, c'est quoi ça? Ah oui, c'est une boîte. Oui. Longe le bord. Ah bon? Bon bah je vais longer le bord du... D'accord. Je partais pessimiste, mais si tu me le dis, Maruta. Jusqu'à trouver la plateforme. Ah, bon bah à mon avis c'est ça, parce que j'ai pas souvenir de m'être acharné sur ce bord là. Bon, là... Ah, ah, ah. Ouais, je sais pas, il y avait deux traits verticaux, on aurait dit des tuyaux. Oula. Ah oui, il est grand le bord. La plateforme. Oh merde. Le voilà. Merci Maruta. Merde. Ah, tout était sur place en fait. Gros vilain, va mourir. Oh, ça faisait longtemps lui. Porte épique de mes deux. Merci, t'es un chef. Et ben voilà, on va progresser, youpi. Oh, ce jeu de fou. Ce jeu de maboule. Oh là 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 là. Oui, allez, tiens un pont. Allez, zou. C'est lui qui va manger toute ma frustration, le pauvre. Parce que je n'en peux plus. Quoi l'opus? Non, défaillance, je crois que j'avais... Ah non, non, il avait pas défaillance. Donc il cumule 4 malus, le malheureux. Il est un peu mort. Oh, puis il récolte son cristal. Mais bien sûr. Parce que je ne l'avais pas, le Navidon. Oh, ce jeu. Bon, Mog, au boulot. Oui. Vous êtes sûr? Oh, le pauvre, il est tombé dans les limbes. Adieu. Merde, langue était pas bon. Attends, il faudrait que je le fasse. Je pourrais vous rejoindre pour Tezo si tout va bien. Ah, oh, c'est sympa. C'est cool, ouais, on va se faire un peu de Tezo cet après-midi. Mais non, mais il va encore tomber dans les limbes, cet idiot. Ah non, ça va. Il s'est accroché à tout ce qu'il pouvait. Vas-y, Mog. Ah, merci. Merci, Maruta. Merci, Dragon. Ah oui, bien joué, oui. Allez, Zou. Ah. Enfin, la suite de l'aventure. Eh ben, dis donc. Il était temps. Vers 14h, oui, alors attends, il faut que je déjeune quand même, Dragon. Mais bah en gros, pour ce dimanche là, 14h, c'est. Tu seras prêt à partir de 14h, mais tu seras disponible jusqu'à quand?
C'est ça la grande question. Est-ce que tu seras dispo jusqu'à 20h par exemple? C'est une très petite plage, une demi-heure là. Enfin, tu me rediras sur le moment, dragon. Enfin, on progresse. Oh, merci à vous, les copains. Eh ben, dis donc, après tous ces épisodes. Ouais, joie! Eh ben. Alors, les pics infâmes avec leurs montagnes de détritus parcourues par d'abominables machines de pulse dissuadent les explorateurs depuis que Cocoon flotte dans le ciel. Ce cimetière de. Il met trop retard. Ce cimetière de métal a mis à l'épreuve Lightning et ses compagnons alors qu'ils luttaient contre le destin des LC et leur propre tourment. Comment Sarah et Noël auraient-ils pu deviner que le périple des LC sera à l'origine d'un désastre dans les pics 200 ans plus tard? Oui, bah oui, tu m'étonnes. Je serai disponible de 14h à 1h. 14h 1. Ah, lui qui les met. Oh, ce vanneur. Bref, on verra tout à l'heure. Mais c'est bien, oui, si on peut être plusieurs à The Elder Scrolls Online, ce serait sympa. Évidemment, je vous ouvrirai la vocale à cette occasion. Aïe, aïe, aïe. Ah, du nouveau. Cupopopopo. Oui, tu peux le dire. Cupopopopopo. Ça y est, il est en fête, Mog. Il y a un nouvel endroit. Hein? C'est quoi qui est au sol? Ah, mais c'est Noël qui est... Non, c'est... Hop. Non, c'est quoi? Toreno, où suis-je? Qui êtes-vous? Combien de temps je suis assez conscient? Moi, j'ai plus connaissance, je me trouvais là, mais c'est la suite. Ouais, non mais il y a eu un... Who knows? You might even be in a different time than before. Is that possible? Are you saying this isn't 10 a.m.? The others... Yeah. Are you all right? Oh, no, you're hurt. I'm trying, but I can't move my leg. Damn it, what am I supposed to do? Attends... Message de Torota 77. Dans notre jargon, avoir de la chance, c'est avoir le cul poporté de nouilles. C'est ça, kipo. Non, c'est pas une blague quand il dit 12 heures pour installer le jeu. Moi, il m'a fallu plus d'une heure pour le mettre à jour hier. C'est pour ça que j'avais anticipé. Et sache aujourd'hui que quand The Elder Scrolls se met à jour... Moi, il a brassé, accrochez-vous, il a brassé 64 gigas de données. Donc, il y a la phase téléchargement déjà qui est énorme. Mais après, la plus longue, c'est la phase installation. Parce qu'il rebat toutes les cartes des données du jeu pour la mise à jour. Et brasser 64 gigas de données, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Surtout que moi, j'ai un vieux coucou, donc... Sans SSD, hein, j'ai des bons vieux disques durs à... J'allais dire à molette. Disque dur à plateau. Donc ça fait platine à scratcher. Alors, aidez-le à trouver le reste de l'escadron. Nous souvenons le paradoxe et à certainement perdu dans la ligne du temps. Ouais. Vous restez ici et essayez de faire un peu de rest. Nous allons aller trouver vos amis. Would you? I would really appreciate it. There are 5 others in my unit. Tell them Torano of Blitz Squad and sent you to look for them. Mm.
halo de Toreno. Voilà, c'est ça qui me manquait. Les escadrons, les soldats des Salamis ont été éparpillés dans le passé et le futur. Ce n'était pas un simple accident. L'explication la plus probable est que cette entité sombre a voyagé dans le temps. Mais d'où venait-elle? Oui, bah c'est sûrement l'ancien falsi de Lightning qui est... j'ai oublié son nom, qui est Prout-Prout, là. Oui, pour en revenir à la réalité. Moi, je continue encore une bonne demi-heure, presque jusqu'à 14h, le Final Fantasy, parce que j'ai pas encore faim. Je déjeune vers 14h, donc je vous mettrai les clips. Et à la sortie de mon déjeuner avec les clips, vers peut-être un petit peu avant 15h, entre 14h30 et 15h, je pense que je reviendrai vers vous pour savoir où vous en êtes pour The Elder Scrolls Online. Et à partir de là, on verra si on y joue ou si je fais autre chose avant, un autre jeu, avant qu'on se retrouve un peu plus tard. On verra. Bref, on refait le point pour Tezo vers 14h30. Voilà, c'est l'info à retenir, les copains. Là, je suis encore une bonne demi-heure de Final Fantasy. En plus, j'ai pas fini mon café au lait. Il me reste un tiers de café à boire. Attendez. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends mieux. D'accord, il fallait aller derrière lui. Okay. Donc là, j'ai gagné un tour gratis de... Ouais, ok. Alors, je peux pas y aller parce que il faut aller dans un sens précis avant de tout déverrouiller. Il y a sûrement un énorme décor qui va tomber, s'écrouler, ça va faire une passerelle. Attends, je me prends peut-être un peu trop vite. But just because that's how she would do it, it doesn't necessarily mean that's how we should. Ah merde. I think we need to find our own way to do this, don't you? Tiens, dans cette dimension, je les connais, les lustiques là ou pas? J'ai pas l'impression. Ils ont l'air d'avoir un design particulier. Ouais, je les connais pas eux. C'est des nouveaux robots. Voilà, je les ai pulvérisés. Je suis à 1 giga de mise à jour, soit 2%. Eh ouais, il est énorme, hein, The Elder Scrolls, il est énorme. Ah bah c'est bien, j'ai capturé un nouveau Pokémon. Ah, c'est abusé, je suis à 3 jours de téléchargement pour The Elder Scrolls Online. Bon, tant pis, sinon on fera The Elder Scrolls le week-end suivant. Je vous laisserai la semaine pour vous mettre à jour, et puis on se retrouvera le week-end suivant. À la place, je ferai Arx Fatalis comme annoncé, et puis un autre truc. Mais il est fou, lui! Qu'est-ce qu'il lui prend à Falcon? Mais... Oh, le con. Mais il est complètement barge. Il est victime d'hallucinations, il a cru que j'étais un monstre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il va calmer sa joie, là! Mais il est fou! Mais reviens! Reviens, Léon! J'ai les mêmes à la maison! Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu peux pas aller dans le vide, mon gars. We're not here to kill you. We came to help. Sorry, I thought you were gonna kill me. Désolé, je crois que vous allez me tuer. Vous êtes une équipe de sauvetage? Yes. We heard the crazy story about a dark shadow that took down your airship. I couldn't believe what I was seeing. The corporal and I were thrown out of the ship, and when I came to, it was standing right in front of me. Listen up. I'm only gonna say this once. Don't go any further. That thing, that monster. Odin, voilà, c'est son nom que je cherchais, Odin. Mais je peux patater tout le monde maintenant, je suis à fond dans le jeu. Enfin, à fond dans le jeu. À fond au niveau des stats. Même si j'ai pas le meilleur des équipements. Mais ça va venir. Oui, le caporal qui est éjecté, il est sûrement pas loin. Je veux le dire, mais il est probablement plus en vie. En tout cas, on va le chercher vers une autre zone. Pourquoi c'est glacé ça? Ah, c'est un liquide. Donc, il faut mieux d'être très prudent. Oui, soyons prudents. Bon, je vais aller là où l'aventure m'amène. Oh! Alors, le Cobalt Beta, tu me dis, Marbeta, le Cobalt Beta,
Attends, il est dur à battre cet ennemi ou pas? Le Cobalt Beta est le seul allié à avoir la résistance au plus 53%. Tous les autres ont mieux ou 45. Ah ouais! D'accord, il est ultra résistant au feu. Merci pour l'info. Il est chiant cet ennemi. Il est chiant. Il me résiste là. Qu'est-ce que c'est que... Attends, faut que je lui mette des malus à l'ennemi. Vas-y, défaillance. Si j'arrive à lui imposer. Merde, j'arrive pas à voir la barre de l'ennemi. Non, je lui ai pas mis le malus. Explosion. Ouh, ça va faire mal. Ouh, ça va faire mal, je le sens. Ça va. Ça fait mal quand même, mais ça aurait pu être pire. Oui, Sera, tu peux te donner un... Tu peux te créer un bonus. Alors, pourquoi j'arrive pas à lui foutre malédiction à l'ennemi? Il résiste aux malédictions, ça l'a pas. Ah, il m'a flingué mon cactus. Il m'a flingué mon Pokémon. Mais il faut beaucoup de catalyseurs mécaniques car il a son niveau maxi à 70. Ah ouais, la vache. Ah oui, effectivement, il est craqué ce combo en Pokémon. Okidoki, mais qui pour l'info. Ah, il a fait bobo à Sera. Récupération d'énergie, Sera. Il continue à s'acharner sur Sera. Voilà. Ah, je crois que je me suis mis tous les bonus. Ah, bah je vais les mettre à Noël aussi. Tiens, Noël. Prends. Et Ange. Oui. Tiens, vas-y, barrière pour... hop, voilà, il a des bonus. Allez, on continue de patater l'ennemi. On en était où, je sais plus. Ah, il est en état de choc. C'est maintenant qu'il faut lui rentrer dans le lard. Ouch. Je l'ai électrocuté. Alors, faut que je me rappelle que Odin, je l'ai lu tout à l'heure dans l'astuce, Odin, il faut surtout pas que j'électrocute parce que ça le recharge. L'électricité va lui faire du bien. On n'est pas là pour ça. Donc je sais déjà ce que je dois pas faire au niveau du boss local. Oh, il y a un truc qui clignote là. C'est une antenne cassée, c'est quoi? Ah, c'est un câble électrique qui... Il faut pas mettre le pied dessus. Non, mais il y a rien en fait. Attends, il y a un truc en haut. Ah non, c'est une... C'est un décor très lointain. La, la, la. Ah, il y a de la causette à faire. Oh. Ouais, là on a un souci. Are you a corporal in Blitz Squadron? How on earth do you know who I am? Who are you anyway? We can talk later. Right now we need to get you out of here. Mm-hmm. You agreed to help find the rest of my unit? It's comforting to know there are still good people in the world. But I can't go with you. I have to stay here. The monster that attacked us is still lurking around this place. A creature possessing that kind of power, who knows what kind of damage it can do to Cocoon. Someone needs to stay here and keep the beast occupied, or else the entire world could be in danger. Alors, plus qu'un femme a accepté la mission, les hommes de l'escadron Blitz en mission pour l'académie ont été décimés sur la ligne du temps. Le coupable est un monstre inconnu. Oui, on sait que c'est Odin en sombre. Depuis que cette créature maléfique a été libérée, les hommes de l'escadron Blitz luttent pour leur survie et celle de beaucoup d'autres. Recueillez des informations auprès des membres de l'escadron et éliminez la monstrueuse menace. Non, oui. Mais oui, qu'on est capable de le vaincre. Vous pouvez tenter votre chance, mais vous devez parler à mes hommes. Cette affreuse créature de nulle part, avant de moi me trouver, vous avez croisé mes hommes. Hein. Parlez à Falcon, il est très observateur. Oui, il a sûrement un talon d'Achille, ouais, il a sûrement rempli quelque chose sur le monstre. Dites-lui que Caporal Thunder lui ordonne de vous apporter toute son aide. C'est mon nom de code, Thunder.
D'accord. D'accord, d'accord. Ah, je suis fou, je le confonds de suite. Ah non, je peux pas. Ah si, attends, je peux examiner. Bah. Ah, voilà. Une distorsion temporelle du groupe de passage. Non, 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 il faut que je retourne dans l'autre époque pour discuter avec le mec. Il faut que je discute avec le reste de l'escadron qui est au même endroit mais à une autre époque. C'est le jeu évidemment, je devine, qui est voilà. Qui s'amuse à nous faire ce qu'on appelle littéralement une quête FedEx et aller du point A au point B histoire de faire durer le jeu. Ah, il mine mes deux qui m'empêche d'aller au contact. Du coup j'ai pas l'avantage. Trou nounouf. Si je le connais celui-là, je l'ai déjà confondu. Tiens, t'as gagné une danse de cactus dans ta face. Bon allez, je lui balance un malus dans la tronche si j'y parviens. Non, j'y parviens pas. Oh, ils sont chiants. Yep. Allez, deuxième service. Ouais, faut le mettre en état de choc en fait pour le voir de celui-là. Faut y aller bourrin. Ah merde, elle était pas prête, c'est rare. Wouah, c'est génial son arme. Vous avez vu à la vitesse à laquelle sa jauge d'action ATB se charge. C'est complètement craqué. J'adore. J'adore. Donc faut que je fasse gaffe à la santé de Serra là parce que je joue avec le feu dans le duel. Mais je vais pas tarder à le mettre en état de choc. Ah encore que non, ça suffira pas. Attends. J'ai octroyé des bonus à Serra. Voilà. J'ai donné un soutien à Noël aussi. Oh magnifique. Oula oula oula, j'ai trop d'énergie, incroyable. Je suis vraiment au taquet, c'est extraordinaire. Bon, j'arrive à lui foutre un malus ou pas? Ah bah, il est en état de choc avec le malus. C'est bon, c'est parti. C'est à ce moment-là qu'il faut le fumer, lui. Hein. Ah bah, il est mort. Très bien. Rien à redire. En même temps, attaquer sans rien voir. Oui, il est énorme, hein, le cactus pampa. Il bouffe toute la vue de la scène de bataille. J'admets, c'est n'importe quoi. Merde, non, n'oublie pas que je suis revenu en arrière. Je suis revenu en arrière à cause de ces batailles qui me font perdre le sens qui me déboussole. Hein? Bon. Baronu. Bon, je veux au moins avoir une bataille si ce n'est deux avant de rejoindre le portail. Au moins ça permet de vérifier si j'ai pas loupé un objet bonus, un coffre ou un truc translucide, un cadeau. Alors je suis pas sûr de mon coup mais j'ai l'impression que les monstres peuvent être que déclenchés lorsque Serra met le pied à terre. Donc le fait de m'amuser à me balader en vol d'oiseau là, j'ai l'impression que je diminue la probabilité d'avoir un ennemi. Je suis pas sûr de ma théorie mais... Oh, j'ai mis un Pokémon. Le Vespidé. Bon, bah, c'est bien. Bon, elle va moins vite en déplacement, mais c'est stylé. C'est stylé. Da-di-da-da, di-du-da. Oh, j'ai à bavarder avec les mecs. J'ai deux bulles de dialogue là. Attends, je vais parler à l'autre en même temps. It's true. He's out there fighting all by himself. The Corporal's always been one to shoulder all the responsibility.
definitely sounds like something he would do. Okay, then how about this? What's the corporal call sign? Bah, Thunder, il a dit. That's right. So you really did talk to the corporal. Fine. I'll tell you everything you want to know. The powerful energy source was being sent to that area from another time. In fact, it was so powerful that it blew up our appareil de mesure. Cette créature puisse sa force dans une autre époque. Couper la source de cette énergie devrait grandement l'affaiblir. Prenez ça pour éviter de vous perdre. Une boussole de Falcon, d'accord. Vous obtenez la boussole de Falcon. C'est la preuve de votre coopération avec l'Excellent Brits. Ok, donc on va retourner au même endroit mais à l'autre époque. Pour lui dire que on résout le paradoxe. D'accord, ça se tient. Logique Final Fantasy, mais ça se tient. Oh là là, il fait 21 chez moi. On voit que c'est vraiment le retour de la belle saison. Il commence à faire chaud là pour moi. Pics infâmes. Alors attends, les pics infâmes de l'autre époque. Voilà. Pics infâmes deux siècles plus tôt quasiment. 190 ans avant. La 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 la. Ouais, je vais manger des restes. J'ai pas mal de restes à manger. Je vais peut-être me faire une boîte de sardines à l'huile. Miam, j'aime bien. C'est bon pour la santé, le poisson. C'est bon. Alors, de retour par ici. Voilà, donc je vais parler à l'autre. Non, c'est pas... Il faut que je parle à l'autre. Merde, Oum! Ah! J'arrive pas à faire un saut à la noix. La. Oh la vache, l'agression! Comment qu'il m'a mis le grimpat dessus, l'autre? Oui, attends, je vais mettre défaillance. Ah, voilà, il a le malus. Il est défaillant. On va patater le défaillant. Bah voilà, il est déjà mort, le défaillant. Terminé. Pendant ma pause déjeuner, il faudra que je vérifie mon téléphone par acquis de conscience, comme on dit, m'assurer que personne n'a essayé de me joindre. Que j'ai peut-être la famille qui m'aurait peut-être laissé des messages. Par rapport aux futurs événements programmés pour ce printemps. J'ai quelques repas en famille à honorer dans le futur. Enfin, je vous rassure, c'est fin avril et début mai, donc... Le week-end prochain, vous me voyez complètement aussi. Hein. Le week-end prochain, je suis totalement là sur Twitch du samedi matin au dimanche soir. So you claim the other guys in my unit asked you to look for me. Show me some proof and maybe I'll believe what you say. I recognize this compass. It's Falcon. And maybe what you're saying is true. The name's Ray. I'm the Blitz Squadron pilot. I wish I could join up with the other guys in my squad. But for now, I've got to stay right where I am. Sergeant Blitz, trapped in the Paradox. I want to help him out of there, but some monster I can't see is blocking my way. It's the Dark Shadow, the beast that took down our airship. It wasn't fazed by the ship's barrage. With our current gear and weapons, I don't think we stand a chance. Damn it, isn't there anything I can do? Mais on va s'en charger. Les membres de l'escadron Bliss en mission pour l'académie ont été éparpillés sur la ligne du temps. Le copain est un monstre inconnu depuis que cette créature maléfique a été libérée. Les hommes de l'escadron Bliss luttent pour leur survie et celle de beaucoup d'autres. Recueillez les informations auprès des membres de l'escadron et éliminez le monstrueux menace.
Mais oui, mais c'est le Odin du... Le Odin sombre, c'est le négatif du Falci qui était en Lightning lors du premier opus, là, enfin du premier Blu-ray, souvenez-vous. Alors c'est vrai que c'est pas une mince affaire de patater un LC Falci, là. Il faut se farcir des Falci. Ça va être un boss, c'est sûr. Le problème, c'est que je fais pas mal d'attaques électriques. Mais ça va se retourner contre moi. Puisqu'il va boire l'électricité, le vilain Odin. Aïe! Allez, enfin la bataille! Ça y est! Cinématique. In the year 10 AF, Blitz Squadron was assaulted by a shadowy beast. The enemy was not from this world. The personification of chaos born from the chasms of time. The beast was formed from memories carved in the very surface of the planet. It took the hideous form of an ancient, forgotten past. It was... Odin? Is lightning behind all of this? No, it's not hers. It's just an empty vessel. It doesn't have any human thoughts or emotions. Please, Sarah, banish this twisted reflection of the past back into the darkness. Aïe! Alors, le vilain Odin Crépuscule. On voit même pas sa femme, son énergie. On n'a pas son score de points. Alors, est-ce que je peux le mettre en défaillance? Visiblement, non. Il faut pas lui foutre d'électricité, les gars. Oh, il va être chiant. Oh, le boss va être chiant, je pense. Même avec les stats à donf, il va me faire suer. Attends, je vais nous octroyer des bonus. C'est rigolo. Noël, je peux gagner un bonus. Et je vais gagner un malus à Odin crépusculaire. Si j'y parviens. Évidemment, je n'y parviens pas. Et cette danse. C'est bizarre de voir le cactus pompe pas dans la neige. Dans le bizarre. Non, on peut pas lui foutre de malus. C'est vraiment un dieu vivant le machin. Alors, est-ce que je l'ai identifié? Ça y est, ok. Ouais, il absorbe, ouais. Absorption d'électricité, ouais. C'est régénère avec l'élément foudre. Voilà, on a l'info principale pour lui faire bobo. Bon, il s'est excité sur le Pokémon qu'il a tué, ou pas. Des bonus, ça sert à... attends. Auto-soutien pour Noël. Et auto-soutien pour le Pokémon. Ouais, je peux pas faire un autre pour le Pokémon. Voilà, barrière, comme ça, vous pouvez tester. Allez, contactez-le. Les gens, je peux... Ah, il en est à choc. Il a pas aimé que j'essaye de foutre des malédictions. Bon, bah, je suis peut-être en bonne route pour le patati du premier coup. Tant mieux. Ah oui, là, je lui fais très mal, là. J'en arrive à avoir de la pitié pour lui, c'est de dire. Ah, il a même chopé un malus. Incroyable, mais ouais. Ah oui, il est vraiment en état de faiblesse.
Ah voilà. Bon, bah ça va. C'est énorme. Bah ça fait deux trophées pour aujourd'hui. L'acharnement paix. Ah, un signe de martyr. Ouh là là. Fragment obscur alpha. L'essence de cette créature est ce fragment, le chaos de Valhalla Cupo. Ce qui est créé, cette image de Dain, mais attends, dans ce cas, peut-être que l'ombre qui est apparue dans le futur est aussi une illusion. Possible, mais maintenant qu'on a sa source d'énergie, on a beaucoup de chances de le vaincre, cette chose, dans le futur, ouais. Dans 190 ans, ouais, c'est ça. Donc on va retourner en sens contraire. Merde. Ah, ça fait du bien quand on avance dans le scénario. Donc je suis l'objectif de patater Odin dans le futur, là, en l'an 200. Et après j'arrêterai. Voilà, j'irai déjeuner, je vous mettrai l'équipe. L'équipe Zagogo, le temps de ma pause déjeuner. Je me prendrai au minimum une demi-heure, au maximum une heure. Et sorti de là, on fait le point entre nous pour voir si on fait du Tezo ou autre chose. Si le cœur vous en dit, les copains. J'ai pas à lui faire la causette. Attends, je sais plus. Trouver le sergent Blitz. Ah merde, il était de l'autre côté. Demi-tour, demi-tour. Je commets une erreur. J'aurais pas dû revenir sur mes pas. J'aurais dû faire le tour complet. Oulala, boulette de ma part. Alors pardon, je vais snobber le combat, mais non non non, boulette de ma part. Il fallait que j'aille de l'avant là. Comment qu'il a voulu m'agresser l'autre? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah oui, il est pris dans une faille, le pauvre. Faut le libérer. C'est ça, merci, Mog. I see! Did I miss something? I apologize. I never thought the day would come when Sergeant Farron's younger sister would save my life. What a strange twist of fate. You mean Lightning? How do you know my sister? We go way back. We were all in the same security force. We took our duty seriously, working hard to keep peace and order in the town of Bodom. So your call sign is Blitz, and the other soldier's call sign is Thunder. I think I know where you got your inspiration. That obvious, huh? It was sort of an homage to Lightning. My sister, she quit the military and was branded a traitor by the Sanctum. Yeah, for a long, long time, I was pretty ticked off at her. But after a while, I saw the truth behind her actions. Although it was hard to see at first, she was trying to save Cocoon. She was fighting against the Falci, alone, standing up for what she believed in. That's when I knew I couldn't just sit back and watch this go down. In the guise, we applied for positions in the Academy's force. In my heart, I believe we're still on the same team, your sister and I. We're trying to make the world a better place. Thank you, Sergeant. When I see my sister, I'll be sure to tell her what you said. She'll be happy to hear from an old friend. Well, I just hope she hasn't forgotten about us after all these years. But whatever happens to the world, whoever you might have to face, make sure you find her. Your sister cares for you more than anything in the world, you know. Sacré dialogue.
Le dialogue faisait littéralement. On a encore trouvé les six membres des Eggers. Il reste une chose importante à faire. Bah oui, il faut confronter Odin dans le. La rescue, Kubo. Oui, on va aller chercher le sergent. Mais oui, là, le dialogue était très important en fait. C'est le cœur même de l'intrigue dans les trois Blu-ray de Final Fantasy là. Les trois parties du Final Fantasy XIII. Là, c'était la référence carrément du tout début dans le Final Fantasy XIII 1. Le coup de Lightning a quitté l'armée. Ouais, c'est vraiment le point de départ du scénario. Oui, bah, je vais me barrer dans le portail. C'est ça que je vais faire. Voilà. Si, merde. Oh là là. Donc voilà, je vais atteindre mon objectif souhaité de ce week-end. C'est patater Odin sombre. On va le faire enfin dans le futur. On va passer du 10e siècle. Du 10e siècle. De l'an 10 à l'an 200. Donc voilà, on rembobine dans la fresque temporelle. Enfin, spatio-temporelle. Et on retourne voilà au Pics Infâmes là pour repatater Odin dans le futur. Et l'objectif que je voulais atteindre ce week-end sera honoré grâce à vous. Merci. Ah, yeah. Encore un week-end à marquer une pierre blanche pour Final Fantasy. Bidon. Ouais, tiens, je vais boire mon café au lait, la suite. There's no way to kill that sinister creature unless you terminate its power source. It's like the beast is devouring energy from a different time. Is that even possible? Thanks to you guys, Falcon made it to me in one piece. Alors, sur la carte, il est où? Gauche ou droite? Ah bah, il est tout au fond. La bonne blague. Ah bah oui, mais gauche ou droite? Pff, j'ai pas le choix. Yé n'est pas le choix. Le chemin, il est imposé. Ah, les super robots résistants au feu, là. Combien de pourcents? 53%. Oh mon dieu. Avec niveau 70, t'avais dit. Ouais. Oh la vache. Ouais, il y a un peu de choses détachées. Adieu, j'ai vendu. Suivant. suivant. Message de Torota 77. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Au 10e siècle dans Final Fantasy XII, Lightning était une guerrière redoutable. C'était la Jeanne d'Arc temporelle. À partir du 15e siècle, Odiben l'a niquée. Oh mon dieu. Aïe aïe aïe. Oh, l'explosion, elle est dingue. L'explosion de flamme, elle est redoutable. Mais comment je les flambe sur le terrain? C'est d'une rare violence.
Pas de quoi s'inquiéter, Cupo. Si la clim était là, elle éliminerait un travail avec Cupo. Il faut qu'on sache jusqu'où on est capable d'aller. Il suffit de déclarer en nous, allons-y. Lightning nous observe sûrement depuis Valhalla. C'est le moment de nous montrer ce qu'on sait faire. Ouais! C'est pas comme si vous avez des stats à 99,9%. Ah oui, le v'là le vilain. Ah ah, il n'a plus d'énergie, le saliveux. Le duel commence. A plus! Merci! Bon dimanche et bonne cotisation, Pop and Repop. Ciao ciao, Zubi! Oula! Alors, note, effectue de puissantes attaques de foudre, se régénère avec la foudre, effectue de puissantes attaques physiques et est sensible à l'altération d'état de vulnérabilité. Ah bah, je sais ce que je vais essayer de vous mettre dans la tronche, oui. Voilà, vulnérabilité. On sent que ça n'a pas marché, mais. Attends, faut peut-être l'affaiblir un peu. On va le rendre vulnérable, je vous le dis, moi. Merde, oh, je fais des bêtises. Voilà, tout le monde qui te souhaite un bon après-midi, une bonne continuation, Pop and Repop. Merci à toi d'avoir été là. Ah, attends, achève mal, tu me dis un truc alors que je suis en plein combat, donc je te lirai après, excuse-moi. À moins que j'arrive à faire les deux. Tu prévois de quoi sur tes os? Oh, je sais pas! Tes os, je vais me laisser planer. Vous n'avez plus à savoir, mais point de fouet par ici. Sauf s'il lâche le passage, il pourra éventuellement vous prêter le sien. Mais on l'a pas vu depuis un petit moment, il ne vient plus aux soirées. Je vais flâner. Si t'as une quête souhaitée d'Hachemman pour Dead of Crawl, je t'écouterai avec plaisir tout à l'heure. Je veux bien qu'on dessine pour moi ma feuille de route. Parce que ce jeu est tellement énorme, Zed of Scroll, il y a tellement de trucs à faire que si vous avez une quête intéressante à suivre, je vous le dis, on l'a fait. Oui, défaillance pour défaillance, bah il meurt. On a gagné. Ouais. Bon bah je vais aller déjeuner après, à mon avis, un dialogue qui va durer 10 minutes, un quart d'heure là. Allez, on va avoir de la lecture. Oh, j'ai gagné Odin Crépuscule en Pokémon. En plus de son énième insigne de martyr. Génial. This land will soon return to its original state. The shadow of a false Odin is not my burden to bear. But if the men had died, nothing could have erased my guilt. I fought alongside those six men years ago. I thought they would have forgotten my existence by now. I find comfort in the fact that people can disappear but still continue to live on in others' memories. Mais c'est une légende indienne, ce qu'elle vient de dire. If you keep me in your thoughts, one day I am certain I will find my way home again. You will. Oh, what? Oh, it's nothing. I just thought I heard Lightning's voice. I know it's probably just all in my head. Impossible things are happening all around us. What with the paradox and the artifacts. Anything can happen. I believe you did hear her voice. Yeah. I hope you're right. À table. Ouais, c'est un peu ça, une scène. Saut de retour. Saut, image rémanente. Bah, j'ai gagné deux sauts. Incroyable. On a fini de chercher les survivants perdus, non? Je suis sûr qu'on a retrouvé les 6. Techniquement, on a localisé tout le monde. Mais certains ont disparu entre temps. Mon sens me dit qu'ils ont tous rejoint Toreno. D'accord. Donc on a gagné. Voilà. Carte, j'ai plus d'objectif là. Ah si, trouver l'escadron de. Oh merde! Trouver l'escadron Blitz. Bah je vais aller revoir les mecs là-bas. Oui, ils sont à l'autre bout de la carte, oui. Alors attends. On va aller les rejoindre pour valider et puis j'arrêterai là. C'est juste pour confirmer comme quoi la quête a été accomplie, quoi. On va avoir un dialogue complet avec les. Bah, mais Guédu, pourquoi une ombre noire? Bah oui, il y a un problème là. Mog, j'ai besoin de toi. Oh! Who are you? Saz. Qui s'y fout là?
they'll encounter a friend. My first comrade in arms, a man who treasured family. Bah oui, son fiston surtout. We did not meet here, but this is where we parted ways. Hey there, Sarah. What's happening? Wait a minute. You know what? Forget I asked. Can't hear a single word you say from here. Eh? How you been? Keeping yourself busy? Not running around like a headless chocobo, I hope. You know, you need to stop and take a breath every now and then, or you just wipe yourself out. I remember being here back in the day. You know, when I was young and in my prime. Things heated up between me and Lightning, and we ended up going our separate ways. Well, to tell you the truth, she walked off and left me behind. Man, those were some tough times. If you're in a bad situation with friends, someone's got your back. If you're alone, you're done for. Speaking of tough times, things still haven't gotten much better. I wandered into this strange, psychedelic world, and now I'm gambling to win the prize of a lifetime. I've got something important on the line, and you know I'm not one to back down. I know I can get out of this winter. I have to. Well, I just wanted to drop in and say hi. Play nice with your friends, you hear me? Oh, and here's a little something from me to you. But now I really gotta run. Later, folks. Sympa! That was Saz. He's an old friend of ours. He fought alongside Lightning and Snow to try to protect Cocoon. He's been doing this kind of thing a lot longer than we have. I wonder what they argued about that would make your sister leave him behind. Whatever it was, I guess they had as rocky a road as we did. Yeah, that's for sure. But I think experiencing the bumps and the hardships along the way is what brings people closer together. That's how you make great friends, right? Philosophe avec ça. Chanson du père. Ah bah j'ai bien aimé le clin d'œil, sympa. Du coup ça m'a bien déstabilisé, je ne sais plus dans quel sens je devais aller. Oui, sortie de la passerelle, ouais, faut que je me barre par là-bas. Pour rejoindre l'escadron, là, les Sigugus. Merde. Oh non, j'en ai marre. Je vais snober l'ennemi, je vais me barrer. Ah, attends, il y a... C'est moi ou... C'est quoi ça? Ah non, c'est rien. Non, j'ai cru qu'il y avait un truc, mais non, j'ai rêvé. Ouais, bah c'est bien, je vais me mettre à table pile poil pour 14h. Heureusement que j'ai rien à me préparer en miam, parce que sinon je serais gravement décalé. Et bah voilà, on va retrouver les 6 hommes, les 6 militaires. Oh, ils vont sûrement me dire des choses. Mais sympa d'avoir vu Zaz. Les soldats que nous avons partagé Lightning's beliefs et ont once fought by her side. Ils never forgot who she was. They had found a place for her in their memories, in their hearts. Can you hear me up there in Valhalla? You've touched so many hearts. You made a difference in so many lives. You made your mark in the world, and I'm proud of you. Thanks again for your help, little sis. Couldn't have resolved the paradox without you. The members of Blitz Squadron are finally going to return to our time. All 6 of us, together. I know you're on a journey to find your sister. Might not be easy, but don't give up until you find her, okay? Oh, and you'd better not forget our invitations to our welcome home party. Yeah! Sympa le saut spatio-temporel. Comment ça? Une présence? Non, ne me dis pas qu'il sent la présence de Lightning. Ah, attends, il y a un truc. Mais oui, c'est Lightning avec le bouclier. Waouh! Énorme! Excellent! That's her, right? That's Lightning. It's like she can't see us or something. I am in Valhalla, isolated from others, engaged in a solitary battle. Lightning. I remember the day I became Ulysse. I turned the entire world against me, and I fought alone for what I believed in. I thought that was the only way, but I was wrong. There were others who were burdened with the same fate. I realized that I wasn't alone. Valhalla is empty. There is no one here. But I carry the memories of you and my friends in my heart. As long as the memories are not forgotten, I will always have people with me, supporting me along the way. Even you, Sarah.
But I do miss you. What I wouldn't give for us to talk and laugh like we used to. I pray for the day that dream becomes a reality. And one day it will. Sarah, I hope you can hear my words. I pray you can hear all I have to say. T'as pas, message d'espoir. As if you're right here. Well, that's that. Huh? Well, after hearing a touching sisterly speech like that, now we have no choice but to go to Valhalla. I know that's been the plan all along, but now it's official. That's right, Kubo. La vallée des lumières. C'est beau. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Alors, je sauvegarde. Puis je vais vous mettre les clips à gogo, le temps pour me restaurer. Ah, je vais me laver mon restant de tomates cerises que je vais manger comme des bonbons. Et je vais regarder rapidement le portail pour avoir le compte des fragments là dans l'interface. Que je vois à peu près où j'en suis dans le. Et ben voilà. Alors normalement, une fois ça fait, normalement le prochain week-end, donc dimanche prochain. Waouh. Dimanche prochain, oui là je l'ai rincé. C'est bon, ça c'est fini. Dimanche prochain, je confronte Kaios. Ça va être la grande baston finale. Avant de pouvoir rincer les fins alternatives. Ce qui va être très intéressant. D'accord. Mais c'est bon, ruine de Brassa, c'est fini, c'est complètement rincé. Voilà, on ira là, le week-end prochain. Eh ben c'est cool, merci à vous d'avoir regardé. C'est pas grave, j'ai sauvegardé, je m'en moque. J'ai sauvegardé, c'est cool. Je vais éteindre proprement la PlayStation 3. PlayStation. Allez, Zoux. Et je vais vous mettre les clips. C'est bien, j'ai eu deux trophées. C'est dire à quel point ça a été. Oui, merci, merci pour le bonheur. Bonne digestion à vous toutes et toutes. Hein. Je présume que vous êtes déjà sorti de table depuis un petit bout de temps. Vous êtes en train de vous repaître de votre repas. Merci, merci. À plus, à la prochaine. Merci pour l'aide, Maruta. Merci tout plein. Alors. Que je fasse ça en propre, blablabla. Tiens, d'ailleurs, j'avais une annonce programmée depuis longtemps qui est la commande Miam. Je crois qu'il faut que je fasse ça pour vous annoncer que je vais manger en fait. Mes chers compagnons, c'est l'heure de la soupe ou casse-croûte. Pause déjeuner, bon appétit à toutes et tous. Miam, 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 miam. Ah, j'ai pas préparé le lecteur avec les clips. Oh, j'aurais dû, parce que la vache, le temps que j'ai mis ce matin à faire plein de trucs. Dans la coulisse, c'est de démarrer à 10h30. Alors, les clips remis au goût du jour, ils sont là. Voilà, normalement, j'ai bien fait le tri hier. Je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube. Merci, hein, les anonymes qui regardent sur YouTube.